Thank you.
Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes en direct ce soir sur France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur, donc les impératifs du direct nous obligent à commencer à l'heure. On aurait bien aimé prendre notre temps ce soir, mais il faut commencer dès maintenant cette belle soirée qui nous attend de la 8e édition du concours d'éloquence, concours national d'éloquence des journées de l'éloquence d'Aix-en-Provence, qui clôt ce magnifique festival. Alors, concours national d'éloquence, ça veut dire que sur toute la France, aux 6 coins de l'Hexagone, on a cherché parmi plus de 250 candidats, les 8 qui vont venir ce soir sur scène, vous présenter leur texte dans l'unique but de vous divertir, de vous convaincre, de vous émouvoir, bref, de vous faire passer un beau moment avec des mots et évidemment de tenter de remporter le concours, d'être meilleur que leurs adversaires, à la fois en improvisation et en écriture. On en reparlera plus tard, mais sans plus attendre, j'appelle le directeur général de l'atelier de la langue française, Jérémy Cornu, sous vos applaudissements. Bonsoir à tous. L'année dernière, j'avais fait sans micro. Cette année, je vais le faire avec. Le public étant encore plus nombreux puisque les mesures de barrière sont achevées. Et quel bonheur de se retrouver sans masque et avec une proximité. J'ai lu dans la presse cette semaine que l'atelier de la langue française et les journées de l'éloquence étaient une grande famille. Et plus je vous vois, quand je vous voyais à l'entrée, c'est une grande famille. On a conservé cette proximité avec vous tous. J'ai plaisir d'ailleurs à vous voir, à échanger, comme la presse le rapportait, à être à portée d'engueulade lorsque ça ne vous plaît pas, et aussi lorsque ça vous plaît, avec tout autant d'émotions, à venir m'en faire part. L'atelier de la langue française n'existerait pas sans ses amis, vous, le public, ses partenaires publics aussi, et notamment notre ami Paul De Cinetti, qui est le délégué général à la langue française et aux langues de France au ministère de la Culture,
qui nous a toujours soutenus, la mairie d'Aix-en-Provence et d'autres collectivités comme la région, le département et tant d'autres. Et il y a nos mécènes aussi, et j'en reconnais bon nombre ce soir, qui viennent désormais en famille, cher Thierry. Et cette famille des Journées de l'éloquence, elle s'agrandit de plus en plus. Vous êtes de soi aussi des auteurs. Dans quelques semaines, nous recevrons d'ailleurs un ancien prix Goncourt qui viendra à la Villa Acanta nous présenter son œuvre. Et enfin, pour clôturer cette année, et je vous invite d'ailleurs, tous les membres de l'association pourront participer à un grand banquet. Et je remercie Marie-Pierre d'ailleurs, Marie-Pierre Sicard, qui est l'élu au patrimoine, qui nous a autorisé à profiter de la Bastide du Jazz de Bouffan. Et vous pourrez venir partager ce moment de convivialité et de proximité, puisque nous aurons l'occasion de manger une paella à cette occasion. Et voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux que ces liens restent intacts, parce que je crois que c'est l'âme du festival. Je vous remercie. Donc on va pouvoir commencer ce concours d'éloquence avec d'abord un petit rappel évidemment des règles, car tout concours doit avoir des règles du jeu. Ce concours va désigner deux gagnants ou gagnantes ce soir, qui seront peut-être la même personne puisqu'il y aura deux systèmes de vote. Le système du jury, qui choisira la personne qui a le plus touché le cœur du jury, et le système démocratique, où c'est vous, c'est nous qui allons choisir le candidat du peuple. Le candidat du peuple grâce à une application, l'application Voters, qu'on vous a déjà exhorté à télécharger. Si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire sur votre téléphone intelligent. Que vous soyez ici ou que vous soyez en distanciel derrière votre écran de télévision, de téléphone intelligent, d'ordinateur, à l'autre bout du monde, tout le monde peut voter. Vous pouvez emprunter d'ailleurs le téléphone des autres si vous n'arrivez pas à télécharger l'application. Et donc le peuple décidera également de son candidat élu de la victoire du concours d'éloquence. Alors, il y aura 8 candidats. Donc sur ces 8 candidats, chacun passeront sur un sujet différent. Donc il y aura 4 sujets choisis parmi les plus émouvants et les plus brillants des sujets de la langue française, sur lesquels les candidats viendront s'affronter deux par deux. L'un défendra le sujet par la positive et l'autre par la négative. Évidemment, ça n'est pas forcément leur avis sur le sujet, puisque leur point de vue leur a été imposé par tirage au sort. Le sujet leur a été imposé aussi et ils ont eu 15 jours pour préparer le meilleur texte possible afin de vous le présenter. Mais évidemment, la préparation n'est pas tout, car les candidats vont ensuite devoir s'affronter dans une joute sans merci où ils se répondront sur le sujet donné tout en répondant aux questions du jury. Donc ce sera un combat à la fois contre eux-mêmes, contre leur adversaire et contre le jury qu'ils se livreront devant vous. Une fois que tous les candidats seront passés, le jury délibérera, donnera son verdict et le peuple réfléchira également dans sa souveraineté pour donner son verdict également. Sans plus attendre, nous allons vous présenter le jury de ce soir. Et tout d'abord, un membre éminent du jury qui nous vient de la ville de Beyrouth, au Liban. Il a pris pour pseudonyme Catherine de Médicis, entre autres. Il a écrit pour Libération, mais aussi pour Valeurs Actuelles. Vous avez peut-être deviné qu'il s'agit d'André Berkoff. Sous vos applaudissements. En seconde membre éminente de ce jury, elle est normalienne, agrégée de philosophie et de sciences politiques, docteur en sciences politiques, mais également journaliste. Vous l'avez donc probablement déjà entendu à la radio, ou notamment dans l'émission On refait le monde, ou vu à la télévision,
notamment dans ses politiques ou face aux Français, car c'est une véritable spécialiste de la politique. Elle a encadré des travaux sur des sujets tels que l'état de droit en Centrafrique ou ce que pense Kant des réformes politiques. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qu'elle pense de la politique, car c'est la grande spécialiste de la question. Sous une révolution d'applaudissements, je vous prie d'accueillir Géraldine Mühlmann. Maintenant, nous allons accueillir un spécialiste de l'éloquence, un avocat, quatrième secrétaire de la Conférence des avocats. Vous le connaissez probablement car il a participé au projet Eloquentia, dont il fut un des membres fondateurs. Vous l'avez sans doute vu dans le documentaire « À voix haute » ou vous avez peut-être lu l'un de ses livres, notamment le fameux « La parole est un sport de combat ». Et dans le sport de combat de la parole, c'est sans doute un boxeur poids lourd. Je vous prie d'accueillir le pétillant maître Bertrand Perrier sous une effervescence d'applaudissements. Et pour répondre à un avocat, quoi de mieux qu'un autre avocat ? Lui aussi secrétaire de la Conférence des avocats. Mais siégeant également au Conseil de l'Ordre, il nous vient d'une longue famille très très ancienne de gens de droit, qui compte notamment l'avocat du roi Louis XVI. Alors, lui, il avait un petit peu moins bien réussi, mais clairement la famille s'est nettement améliorée depuis. Je vous assigne donc à applaudir sans recours et sans autre forme de procès, maître Carbon de XVI. Des jeux de mots dans ses œuvres télévisuelles telles que « Des filles et des garçons » ou « Les oiseaux migrateurs ». Notre membre du jury suivant est un comique, un humoriste que vous avez probablement déjà vu également à la télévision, peut-être sans vraiment vous l'avouer à vous-même, dans le journal du Hard encrypté sur Canal+, peut-être en commentant des matchs de football, rassurez-vous, il est pour l'OM, ou peut-être à la radio, dans les grosses têtes. Je vous prie de faire un show d'applaudissements pour le membre du jury, Sébastien Thoen. Le jury est ce soir maintenant au complet. Nous allons pouvoir attaquer la partie la plus intéressante, celle des prestations des candidats, mais d'abord, peut-être un petit mot, si le jury a un petit mot sur ses attentes ce soir vis-à-vis des candidats. Qu'est-ce que vous espérez entendre, voir ? Qu'ils nous fassent pleurer, qu'ils nous fassent plutôt rire, plutôt que pleurer, mais qu'ils jouent quand même sur une gamme d'émotions assez large. Hein. Il n'est pas question de ne pas s'amuser. Donc, il faut utiliser toutes les techniques de l'éloquence pour convaincre un jury aussi exigeant et même forte tête que le nôtre. Alors, je vais résumer. J'espère qu'on va se marrer. Voilà, c'est ça. Et pas seulement, évidemment. André, il est où ? Je rappellerai simplement fin du 19e siècle, naissance du téléphone par Graham Bell. Pour la première fois, New York organise une liaison avec Washington. Et on entend avec des grésillements, tout le monde est là. Washington peut parler à New York. Washington peut parler à New York. Et New York répond, mais est-ce que Washington a des choses à dire à New York ? Voilà. Et on attend qu'ils aient des choses à nous dire. J'espère qu'on va se marrer. Il ne s'agirait pas qu'on ait fait le voyage pour rien. Oh non. Ça va ? Bah dites-le. La Terre explose dans 2 ans, lâchez-vous, on s'en fout, franchement. Un petit mot peut-être, maître Carbon de 16, pour finir cette... Eh bien, j'attends tout simplement que eux s'amusent et que nous soyons tous derrière eux, parce qu'il faut du cran pour venir prendre la parole devant vous. Ah oui. Et donc on leur souhaite 1000 bonnes choses s'ils nous entendent. Donc,
Les consignes ayant été dites, allez sur tout le spectre de l'émotion qui va du rire au bord des larmes, mais pas beaucoup plus loin. Parlez à New York, mais pas à Washington, en gros. Et qu'on se marre. J'espère que les candidats l'ont bien entendu. Maintenant, il est temps d'introduire le premier duel d'aujourd'hui sur une citation de Gustave Flaubert. Alors, Gustave Flaubert, c'est une mine d'or pour les concours d'éloquence. Il a fait énormément de citations, 230 citations sur le site citation.com, avec des très belles citations, très philosophiques. De la forme naît l'idée. L'avenir est ce qu'il y a de pire dans le présent. Des choses pleines d'esprit. On n'a pas retenu certaines, hein, les plus importantes probablement, comme « Passe-moi le sel » ou encore « Il n'y a pas à dire, les calissons, c'est quand même bon ». Plus de 230 citations, donc c'est 7 fois plus que Shakespeare, et c'est 230 fois plus que Dieu le Père, dont la seule et unique citation est « Que la lumière soit ». Il est donc logique d'introduire une citation de Flaubert sur Dieu, et Flaubert a donc dit « Le doigt de Dieu se fourre partout ». Pour défendre cette thèse un petit peu fourre-tout, nous allons accueillir Nicolas Hulot. Alors ça serait fou quand même, ça serait. Pardon. Se prend-il pour Dieu ? Dieu seul le sait. Pour défendre donc cette thèse un petit peu fourre-tout, nous allons accueillir Salomé Maquet. Elle nous vient de Chambéry. Elle est alpiniste à ses heures perdues et elle fait du droit à Assas à ses heures gagnées ou l'inverse. C'est une passionnée des mots, de la poésie. Elle a elle-même cofondé un concours d'éloquence, son propre concours d'éloquence, le concours d'éloquence Eris. Et elle nous dit qu'elle éprouve le rythme d'un ciel se déplaçant en banc ouaté et saccade ses randonnées de mots de ci, de là, chinés. Je vous demande donc, sous une avalanche d'applaudissements, d'accueillir Salomé Maquet. Vous m'avez demandé de parler de Dieu et de fourrage de doigts. Ça tombe bien, puisque ce sont deux sujets que je maîtrise un peu. Pour beaucoup d'entre vous, quel que soit le nom que vous lui donnez, quelle que soit la forme que vous pensez qu'il prend, quels que soient les actes que vous lui vouez au quotidien, Dieu serait une sorte d'énergie universelle, commune aux hommes, une assurance vie ou post-vie, un mouvement, une impulsion, la première des impulsions, celle qui permet de répondre à la première question. Pourquoi ? Avec un P majuscule. Parlant de Dieu, Flaubert, lui, nous a octroyé un D majuscule. Et nous sommes en France. Et bien que laïque en France, nous avons une certaine tendance à considérer Dieu comme défini depuis Nicée, à savoir à travers le prisme d'une église une, sainte, catholique et apostolique. Par souci de temps, c'est de celui-là dont je dirai quelques mots, par souci de cohérence alors. Je vais partir du principe qu'il existe. Cette fripouille, donc, fourrerait ses doigts partout. C'est vrai. Et disant cela, cher public, je te sens déjà envieux que je te parle de quelque chose qui va nous unir sur le chemin de la vérité et de la vie. Le cul. Mais je suis une femme d'esprit. Et pour m'avoir, il me faut souvent de longs préliminaires existentiels. Alors pour l'heure, élevons-nous. Parce qu'en réalité, ce que Flaubert se demande à travers ses mots, c'est bien de savoir si Dieu s'occupe des hommes. Et pour qu'il nous laisse le monde ainsi, l'avons-nous déçu ? L'avez-vous déçu ? Alors quant à juger de la bienheureuse présence humaine sur Terre, je ne sais pas. Par contre, je peux vous dire que Dieu a passionnément fourré son doigt partout. Ce dont tout part, l'intelligence. Dieu a fait de nous des êtres d'intelligence, ou du moins, il a essayé. Et comment a-t-il fait ce Dieu ? Il nous a parlé en premier.
Car que serait-il sans une sainte Bible pour le révéler ? La Bible, c'est un gros bouquin, lui-même composé de 66 livres. Et dans cette grande bibliothèque, parce que c'est de là que vient ce mot, se trouve un livre qui s'appelle l'Exode. Et dans l'Exode, au chapitre 31, on apprend que lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne, il lui tendit deux tables de pierre, des tables du témoignage, qui étaient écrites du doigt de Dieu. Chronologiquement, Dieu nous a écrit, puis il nous a parlé. Et à son image, il nous créa être d'écriture, être de parole. Et ça, c'est un immense cadeau qu'il a fait aux hommes, que de nous permettre de pouvoir, que l'on puisse s'inspecter mutuellement l'esprit. Parce que c'est ce que peut la littérature, c'est ce que peut l'écriture, c'est ce que peut la parole. Et d'ailleurs, Dieu, quand il s'est fait homme parmi les hommes au moyen de son Fils, Jésus-Christ, pour ceux qui n'auraient pas eu le Bristol, ne dit-on pas justement qu'il s'agit là de son Verbe ? Et pour avoir un peu lu le Becherel, je sais pour sûr que le Verbe, c'est le pivot d'une phrase. Une phrase qui n'aurait finalement que peu de sens sans lui. Il m'est souvent arrivé de vivre ma vie pour pouvoir l'écrire. C'est très addictif. C'est une sorte de passe-droit des méandres humains, comme si la belle lettre avait ce pouvoir très singulier de s'affranchir de tout référentiel de morale ou de valeur, comme si soudainement la vie, parce que couchée sur le papier, pouvait se permettre toutes les danses et toutes les ascensions de cime. Nous écrivons, puis nous parlons. Mais avant ça, il nous faut lire. Lire, la lecture dont la Bruyère disait qu'elle était de ses mains d'ouvrier, qui nous élève et qui nous inspire des sentiments nobles et courageux. Ou pour parler de l'éloquence, Hugo, faisant parler Jean Valjean qui incarne le propre des spectacles sublimes, ceux qui nous font sentir tous intérieurement une grande lumière, cette lumière qui fait que ce soir, mon cher public, je m'adresse à toi au singulier, parce que tu n'es qu'un souffle. Tu n'es qu'un soupir dans tes mots, dans tes pensées, dans tes rires, je ne vois qu'un. Cette même lumière, fût-elle divine, qui nous donnerait, parmi tous les autres pouvoirs, le seul pouvoir qui vaille, celui qui noue toutes les voix, quand s'élève la voix du beau parleur. Pour conclure, parce que je crois que c'est ce qu'il se passe lorsque l'on parle de fourrage de doigts, n'espère pas, cher public, trouver Dieu ailleurs que partout. Il est dans chaque lettre, dans chaque mot, dans chaque souffle, dans chaque parole, car que sommes-nous, sinon des êtres de parole ? Une éternelle phrase qui n'a de cesse de se ponctuer, de raturer, de répéter encore et encore cet incroyable roman qu'est l'humanité. Un discours qui nous montre bien que Dieu a doté les humains d'intelligence, ce qui n'était pourtant pas certain au vu de la plupart de l'humanité. Alors, le candidat suivant qui va affronter Salomé, comme sa contradictrice, il a 20 ans. 20 ans, dont 12 ans de piano au conservatoire, plus de la moitié de sa vie. Il a participé au championnat de France de handball, malgré un toc qui lui rend insupportable d'avoir quelqu'un qui lui marche à sa gauche. Il est en deuxième année de droit à l'université Paris 2, Assas. Je vous prie d'accueillir Noé Boypa. Pour éviter toute polémique, tout malentendu ou toute confusion, je préfère vous prévenir maintenant. Je n'ai rien, rien de personnel contre les religions. Je vous le promets, j'ai moi-même un ami religieux. Alors, très cher public, très cher jury, je vous préviens car parler de Dieu, de religion, de caricature et de sexe dans un même sujet, c'est un cocktail un peu brûlant. Je suis un peu sur une pente glissante.
Qui plus est, j'ai la lourde tâche de vous expliquer que Dieu n'est pas tout-puissant et que Dieu ne fourre pas son doigt partout à tout bout de champ. Alors, très cher public, il y a quelques questions qu'il faut élucider en propos liminaire. Dieu existe-t-il ? Salomé pense que oui, moi je ne pense pas. Je ne prends pas le pari de Pascal. Car même si c'est un beau marché, le mot passant dit que Dieu est mort. Il n'est plus qu'un Mitterrand. Et un télégramme du paradis vient d'arriver. Aujourd'hui, Dieu est mort. Mais cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Alors, Dieu, c'est vrai, a été pour nous un bel ami. Mais rapidement, le Camus en liaison dangereuse. Hier, Dieu a essayé de tuer l'homme. Et aujourd'hui, finalement, la vie avec Dieu, c'est l'in et air. Il n'y a plus de miracle. L'homme, lui, veut voyager jusqu'au bout de la nuit, veut partir à l'aventure. Il veut voyager dans ses eaux troubles. Et dans ces eaux-là, sans Dieu, l'homme n'est pas pour autant mal armé. L'homme regarda Dieu droit dans les yeux et lui dit, d'un ton badin terrible, c'est ici que l'on se quitte. Alors, supposons pour les joies du sujet que Dieu existe, car il serait trop facile de vous dire que Dieu n'existe pas et que par voie de conséquence, il ne peut pas fourrer son doigt partout. Et à supposer, très cher jury, très cher public, que Dieu existe. Précisons peut-être de quel Dieu l'on parle. Est-ce celui des chrétiens souvent représentés avec des anges au physique d'enfant qui fourrent son doigt partout ? Ou est-ce Zeus pour les Grecs, Allah pour les musulmans, ou Bertrand Perrier pour les adeptes de l'éloquence? De quel Dieu parle-t-on? Finalement, cela n'importe peu, car comme Salomé vous l'a dit, Dieu nous voudrait tous égaux. Idée généreuse, certes, mais folle. Folle de dire que nous sommes tous virtuellement des génies. Nous sommes tous virtuellement Michel-Ange, Mozart ou même Mbappé. Alors, j'ai mis ces trois génies sur la même échelle de grandeur pour parler à tout le monde et vous démontrer mon point que c'est impossible en réalité. Dans la vie, il y a des imbéciles, des génies, des grands, des petits, des méchants et des gentils. Et si c'est fataliste de vous dire que nous sommes différents, alors oui. Oui, je suis fataliste. Mais il faut bien qu'il y ait des moches pour qu'il y ait des beaux. Il faut bien tout ça pour se mettre en valeur. Alors, très cher public, si vous n'êtes pas encore conquis, observez cette démonstration qui se voudra presque mathématique. S'il vous plaît, très cher public, observez d'un œil pas trop insistant, s'il vous plaît, Madame Mühlmann. Observez Madame Mühlmann, car Madame, vous êtes sans aucun doute une créature de Dieu, une créature de la nature, avec ses yeux. Ses yeux qui ont fait tomber plus d'un étudiant à l'abord des amphis. J'espère bien. Et cette voix, comme vous venez de le dire, qui nous caresse les oreilles et presque l'âme. Madame, j'aurais aimé être une larme pour naître au creux de vos yeux, vivre sur votre joue, et enfin mourir sur vos lèvres, car ce sourire, nous laisserait presque croire que nous sommes au paradis. Et puis, il y a vous, Monsieur Berkoff. Enfin, voilà, je vous le disais, tous les hommes sont égaux, mais certains un peu plus que d'autres. Certains ont décidé de travailler à la télé, d'autres à la radio. Mais, Monsieur Berkoff, je sais que vous n'êtes pas vexé, car vous êtes bien plus intelligent que ça. Et vous savez que si Dieu veut l'égalité entre les hommes, notre problème ne se trouve pas là. Car à dire que Dieu veut l'égalité entre les hommes, cela voudrait dire que Dieu est de gauche. Alors, l'imaginaire commun, bien sûr, veut que Dieu soit de gauche. Mais cela repose sur une mauvaise lecture de la Bible. Car voyez-vous, tous les messages de bien-pensance, tous les messages d'amour, tout ça, c'est Jésus. Tout ça, c'est le tome 2 de la Bible. Tout ça, c'est le Nouveau Testament. Dieu, lui, il n'a rien à voir là-dedans. Dieu, c'est l'Ancien Testament. Alors, Jésus serait de gauche, mais Dieu est de droite.
Et Dieu est intrinsèquement de droite, je le pense, parce que à la lecture de la Bible, et aussi parce que Marc Bonan a dit que Dieu est de droite, alors peut-être qu'il pense qu'il est lui-même Dieu, mais bref, Dieu est de droite. Dieu est d'une droite, car il aime la méritocratie. Dieu, c'est l'enfer et le paradis pour ceux qui ont réussi, et l'enfer pour les damnés qui ont échoué. Et à ce titre, très cher public, car vous m'avez l'air attentif et de bonne humeur, j'aimerais vous livrer une pensée. Car je suis comme Victor Hugo, en toute modestie bien sûr, mais voyez-vous, je trouve toujours ça un peu décevant, de simplement mettre des flammes partout en enfer. Car dans l'enfer chrétien, il y a des flammes, dans l'enfer musulman, il y a des flammes, dans l'enfer juif, il y a du feu. À en croire les religions, Dieu est né rôtisseur. Alors, je n'ai rien contre les adeptes du barbecue, j'ai moi-même un ami qui fait des barbecues, mais je trouve que la direction artistique que prend l'enfer est un peu dommage. Alors, je vous disais, très cher public, très cher jury, que Dieu est de droite. Dieu est de droite car il a cette méritocratie dans le travail. Dieu, comme vous l'a dit Salomé, a laissé la liberté à l'homme. Il a préféré nous voir travailler, car Dieu aurait pu nous faire à son image. Pas besoin de manger, de boire ou de dormir, mais non. Dieu a préféré nous voir travailler. Dieu a dit à l'homme dans la Bible, « N'attends rien de moi, rien du tout. » Dieu est donc contre l'assistanat, contre le chômage, contre les aides sociales et contre le RSA. Dieu veut des riches et il veut des pauvres. Dieu est de droite. Mais aussi, c'est une droite. Dieu est une droite et il nous l'a dit dès le début. Quand, sur l'immigration, il a été ferme. Il veut mieux contrôler l'immigration, notamment dans le jardin d'Éden, et expulser tous les réfugiés clandestins qui y mangent des pommes. Dieu est de droite. Il est aussi, peut-être que ce point est un peu tendancieux, si vous pensez que je manque de respect à Dieu, pensez toujours à cet ami religieux. Dieu, je vous le disais, est une droite ferme contre la radicalisation, une droite laïque et républicaine, qui lutte contre le fanatisme et les excès. Pensez à cet ami, s'il vous plaît. Dieu, dans la Bible, a interdit d'adorer les idoles, ce que je trouve particulier pour Dieu, qui a basé quand même tout son projet sur l'adoration. Donc, sauf à son égard, l'adoration, sauf à son égard. Dieu, finalement, c'est aussi une droite sur la retraite, une droite économique. Car voyez-vous, monsieur, je vois que vous avez compris où je voulais en venir, Dieu nous a dit qu'il faut travailler toute notre vie pour essayer de toucher du bout des doigts le repos éternel, la retraite au paradis. Dieu est donc de droite, très cher public et très cher jury. Finalement, cette absence de Dieu que je viens de vous décrire dans ces situations criantes de réalisme, et c'est vrai, dépeintes avec un talent rare, aboutit à une question bien plus profonde. Finalement, Dieu n'est-il pas devenu la bonne excuse des hommes? Car dire que Dieu fourre son doigt partout, c'est une manière pour l'homme de tenir Dieu pour instigateur de notre société. Car c'est plus simple. Car c'est plus simple de se taire face à l'injustice plutôt que d'hausser le ton. Car c'est plus simple de détourner le regard de la misère plutôt que de la regarder en face, droit dans les yeux. Car c'est plus simple pour l'homme de ne rien devenir du tout, ni méchant, ni gentil, ni salaud, ni honnête, ni un héros, ni un insecte. Tout est plus simple quand c'est Dieu le grand responsable. La vie est faite ainsi, et nous n'y pouvons rien. Car finalement, la pauvreté, c'est sûrement le pouce de Dieu. La famine, l'index de Dieu, la maladie, le majeur de Dieu, la misère, l'annulaire et la guerre, l'auriculaire. Et avec ces œillères, nous pensons que c'est la responsabilité de notre Père et pas de nos pères. Mais permettez-moi de vous le dire, nous ne sommes rien d'autre. Rien d'autre que la collection de nos actions, le millésime de notre histoire, le fruit de 1000 rencontres, de 1000 mains tendues, mais aussi de 1000 refus. Et à ce titre, nous pouvons, à notre échelle, changer le monde. Alors, très cher public, très cher jury, nous avons tous une bouche, deux yeux, deux mains et deux jambes. Alors qui choisissez-vous d'être ?
entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les yeux qui condamnent et les yeux qui éclairent, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, entre les pas sans trace et les pas qui nous guident. Vous avez le choix de forger le monde de demain, car si Dieu a créé la terre de ses 10 doigts, il l'a laissée entre nos mains. Alors Noé va rester avec nous et prendre place sur cette estrade et on va accueillir Salomé qui va venir affronter Noé sur cette question de Dieu. Alors Noé, il supporte pas qu'on marche à sa gauche, du coup il est convaincu que Dieu est de droite. Hein. C'est pas faux d'ailleurs, hein. C'est sans doute en voyant que son fils devenait islamo-gauchiste que Dieu a écrit un Nouveau Testament. Enfin Dieu, le Dieu monothéiste, hein, parce que Jupiter est ni de droite ni de gauche, ça on le sait bien. Le jury, pendant 7 minutes, va poser des questions à nos deux candidats et nos deux candidats vont tenter de répondre à ces questions, de s'affronter sur ces questions. Des questions évidemment pour défendre le fait que Dieu fourre son droit partout ou non. Alors, une première question, Maître Perrier. Oui, je voudrais votre sentiment sur une question que vous n'avez, à ma connaissance, abordée ni l'un ni l'autre et qui me paraît décisive sur la possibilité pour Dieu de fourrer son doigt partout, qui est la question du consentement. Qui commence ? Je te sens bien sur la question. Salomé, consent-elle à répondre à cette question ? J'y consens. Le consentement, c'est important. Dans la mesure où Dieu sait combien de cheveux il vous a fait sur la tête, je pense qu'il... Il a été très avare, et de plus en plus. Je n'osais pas vous le dire, monsieur Perrier, mais... Voilà. J'en ai fait mon deuil. C'est bien normal. Je ne sais Noé, pas si... peut-être Bien Noé. Sûr, le je ne sais pas si on parle de consentement, vu que Marie est vierge, donc je ne sais pas si Dieu a fourré son doigt partout ou pas. Alors, belle réponse avec doigté. Une question, Sébastien Toen. Moi, j'ai une question pour Noé. Parlez-nous un petit peu de cet ami religieux dont vous servez pour dire des saloperies depuis tout à l'heure. J'aimerais bien savoir qui c'est, moi. Est-ce qu'il est dans le public ? Est-ce qu'on peut le rencontrer ? Ou est-ce que c'est du mytho ? Et non pas du MeToo. On revient au consentement. C'est important. Cet ami veut être anonyme, donc je ne le citerai pas. Mais il est là, parmi nous. Ne vous inquiétez pas. C'est Dieu, en fait. Peut-être. Ouais, c'est vous qui l'avez dit. D'accord. Ami anonyme, si tu es là, frappe 3 coups. Une autre question, peut-être ? Pour Salomé ? Pour Salomé et pour notre ami. En fait, c'est intéressant parce que vous avez effectivement... Vous n'êtes pas vraiment totalement opposés. Vous avez fait un peu un dieu un peu woke, hein, un peu cancel culture, comme ça. Et avec j'adore, parce que quand j'entends votre ami religieux, ça me rappelle, vous savez, j'ai un ami juif et un ami arabe, donc je ne suis pas raciste. Et vous, vous dites, voilà, je ne suis pas contre Dieu parce que j'ai un ami qui est religieux. Mais c'est éloquent et c'est très bien. Quant à Salomé, vous avez parlé de ce Dieu, effectivement, qui est partout. Mais est-ce que être partout, en l'occurrence, n'est pas vraiment être nulle part ? J'ai dit que Dieu est dans l'intelligence. Et c'est à vous de voir si l'intelligence est partout ou pas. En tout cas, je ne doute pas qu'elle soit partout ici ce soir. Noé, un avis ? Je suis d'accord. Noé consent. Ah oui. Une autre question, peut-être ? Moi, je trouve qu'on n'a quand même pas assez parlé des zones sensibles. Que l'on considère qu'il met son doigt alors, partout... J'ai mes deux parents dans la sangle. Voilà. Ou que l'on considère... Je répondrai bien volontiers, sous réserve qu'il quitte le pavillon Vendôme. Vous en êtes quand même bien tirés, tous les deux, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même des zones où un certain nombre de gens, au nom de Dieu, s'affrontent
à propos de ces zones spéciales, certains étant vraiment sûrs que le doigt de Dieu s'y trouve aussi, ce qui semble à votre cas, Salomé, mais pourriez-vous nous préciser que vraiment, vraiment, c'est partout ? Et quant à vous, cher Noé, vous ne nous avez pas explicitement dit qu'il y a des zones où assurément, vous parlez bien de ces Dieu zones... n'est pas, et surtout pas avec son doigt. Vous parlez bien de ces zones où, quand on les effleure ou autre, on crie « Oh mon Dieu !» Pas moi, auquel... moi, c'est pas ce que je crie. Non, mais auquel cas, elles seraient très, elles sont très reconnaissables. Désolée, madame, j'étais trop occupée à parler de vous. On peut remercier avec un tonnerre d'applaudissements, bravo, un tonnerre divin, bravo, nos deux candidats. Qui sur ce sujet digital nous ont emmenés au 7e ciel. Le sujet suivant est un petit peu dans le contexte puisque il parle de parents. Donc les parents de Salomé s'y reconnaîtront sans doute. Tous les parents ne se valent pas. Citation de Boris Vian, dont les parents étaient pourtant plutôt cool, hein, comparé aux parents d'Œdipe, du petit Poucet, ou aux cigognes qui jettent leurs petits du haut de leur nid quand ils ont des problèmes digestifs, les parents de Boris Vian étaient plutôt pas mal. Notons toutefois que la mère de Boris Vian étant fan d'opéra, elle a appelé tous ses enfants avec des noms de personnages d'opéra pas connus. Donc Boris s'en est bien sorti, on lui a juste demandé toute sa vie s'il avait des origines russes. Mais ses deux frères se sont appelés Modeste et Lilo. Quant à son père, il a dilapidé la fortune familiale pour ensuite travailler comme livreur dans une entreprise d'homéopathie. Tous les parents se valent-ils ? Pour répondre à cette question, nous allons accueillir le Benjamin de notre concours, mais qui s'appelle Hugues, hein, Hugues Akir. Il est encore en classe préparatoire, donc il combine le dur labeur de la classe préparatoire avec le concours d'éloquence. Les concours, lui, il aime ça, clairement. En classe prépa, Cagne, littéraire au lycée Lacanal de Sceaux. Mais il a plein de cordes à son arc. Il joue une pièce de théâtre en Italie. Il est animateur pour jeunes pour leur faire découvrir le plaisir des mots. Je vous demande, sous un théâtre d'applaudissements, d'accueillir Hugues Akir. Coucou toi. Salut toi. Ougouzi, gouzi, gouzi, gouzi. Voilà. Voilà ce qu'à peu près mon père vous m'auriez dit si vous aviez en vous l'instinct parental. Mais d'instinct, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de parents, vous n'avez que le titre à défaut d'en avoir la valeur. Je lançais un jour ce trait à mon père qui, pour seule réaction, laissa sa bouche tombée, béante, son regard hagard et son teint blafard, m'indiquèrent que mon géniteur n'avait pas vraiment saisi la portée de mon intervention. La valeur d'un parent, mesdames et messieurs, voilà ce qui le trifouillait, ce qui le turlupinait. Car comment pourrait-on établir un étalonnage précis de la valeur parentale. Mesdames et messieurs du jury, cher public, pour le savoir, je vous invite à me suivre dans un petit voyage sur la route de l'existence. Depuis la nuit des temps, l'histoire des pères et des mères prospère. Sans un père, et sans faire d'un père, j'énumère, pêle-mêle, père et mère. Il y a des pères détestables et des mères héroïques. Il y a des pères exemplaires et des merdiques. Il y a des pères absents et des mères usées. Au début de ce récit, je prends quelques secondes. Je tempère pour dire à mon père et à ma mère, merci. Merci
de m'avoir jeté dans l'eau à la naissance en oubliant qu'un bébé, ça coule. Merci de m'avoir détruit l'esprit dès mes 6 ans avec des histoires à coucher dehors d'un mec blond aux yeux bleus qui fait copain-copain avec une rose sur une planète abandonnée. Merci de... Bon, vous l'aurez compris, je suis ce qu'on peut appeler un enfant traumatisé. Traumatisé par qui ? Et par mes parents, bien sûr. Mais attention, je ne me fais aucune illusion. Je ne suis pas le seul. Qu'il soit le créateur de l'univers, le chef des dieux olympiens ou un bobo parisien du 16e, le parent se vaut dans son échec lamentable en matière d'éducation et dans sa réussite flagrante en matière de traumatisme. J'en veux pour preuve le nouveau best-seller de l'éducation en Amérique, 9,90€ sur Amazon, ou « Comment traumatiser votre enfant ?» Les 7 méthodes infaillibles de Jean Bilic. Mais ne nous égarons pas sur la route périlleuse de la mondialisation et revenons à notre chemin, à notre chasse au trésor, et trouvons ensemble l'étalon de mesure que nous sommes partis chercher. Dans cette histoire millénaire des pères et des mères, arrive un jour de juin 2002, ma naissance. Cette journée n'est en somme que la commémoration de la farce sinistre que m'ont fait mes parents en me mettant au monde. Et à partir de là, le temps défile, je m'accroche à une image idéale de mes parents, des modèles, des exemples. Et je sais que chacun d'entre vous, enfant, a ressenti cela. En plus, j'ai plutôt de la chance. Mes parents sont bons, aimants, un petit peu traumatisants, mais ils se disent que parce qu'il est inévitable de traumatiser son enfant, alors autant le faire délibérément et en toute finesse. N'êtes-vous pas d'accord ? Mais malgré toutes ces qualités, mes parents me posent problème. En effet, mes parents ne sont pas les parents. Et cela, j'en prends conscience dans la cour de récréation. Cette fameuse cour de récréation où Blanche tombe raide en croquant dans la pomme que sa belle-mère lui avait offerte. Où Harry me raconte que son oncle et sa tante l'enferment dans un placard sous l'escalier. Où Elsa me dit que ses parents, pour la protéger, vont l'enfermer et ne plus jamais la laisser sortir. Au contact de tant d'extrêmes, vous en conviendrez, il est impossible de faire surgir cet étalon que nous cherchons tant. Alors, j'attends. J'attends. J'attends et je commence à voir au loin se dessiner quelque chose comme une esquisse, le début, une silhouette peut-être. Mais il faut s'avancer plus loin sur le long fil de la vie pour savoir ce que c'est. Et quitte à chercher dans les recoins de l'histoire, pourquoi alors ne pas s'emparer de l'exemple ultime ? Le parent. Dieu. Mais oui, Dieu le Père a lui aussi eu un fils. Et Noé et Salomé l'ont mentionné. Un fils qui l'abandonna à la naissance, laissant sa mère refaire sa vie avec un pauvre charpentier. Un fils qui, une fois ado, claque la porte de sa maison pour s'en aller courir les routes pieds nus et retrouver son père. Un père exemplaire. Mais surtout un père sadique et invisible. Qui joue du mystère qui l'entoure pour amener tout doucement son fils à lui. Mais pour Dieu, amener son fils à lui, ça veut dire le tuer. Lui faire emprunter le chemin de croix jusqu'à la crucifixion. Jésus a 33 ans et il rend l'âme à Dieu. Mais Dieu, c'est son Père. Après tout ce que l'on vient de voir, je ne peux conclure qu'une chose. Le parent, par nature, semble regorger d'imagination pour détruire son enfant. Non, ça va trop vite. Au diable, les conclusions hâtives. Il m'en faut plus, alors je grandis. Toujours plus, j'observe, j'écoute, je recherche et je commence à comprendre. Qu'avoir un enfant ne fait pas plus de vous un parent qu'avoir un piano ne fait de vous un pianiste. Non, il y a quelque chose de plus que ça, de différent. Prenez par exemple la loi de bioéthique adoptée à l'Assemblée nationale le 29 juin 2021. Les couples homoparentaux sont désormais légaux. Ce qui prouve encore une fois que la procréation n'est pas la condition sine qua non de la parentalité. Et là, ça devient embêtant. Eh oui, ça devient très embêtant. Si on augmente sans cesse le nombre de potentiels parents, comment je fais, moi, pour trouver mon étalon de valeur ? J'arrête ? Je jette l'éponge ? J'abandonne, peut-être ? Non.
Mais avant ça, il faut que je vérifie quelque chose. Dites-moi, vous, et vous aussi, vous n'êtes quand même pas tous traumatisés par vos parents ? Que dois-je déduire de ce silence pesant qui s'installe entre nous ? Vous l'êtes, c'est ça ? Vous êtes tous traumatisés par vos parents. Et c'est tout ? C'est tout ? Ah non. Ah non, c'est un peu court. On pourrait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, violent, vous madame, les coups, c'était au fouet ou au martinet ? Triste. Votre peur de l'abandon, jeune homme, c'était avant ou après l'orphelinat ? Bien voilà. Je crois bien qu'on l'a, notre étalon, notre valeur parentale. Elle ne se mesure pas à l'affection que donne le parent à son enfant, au temps qu'il a pu passer avec lui, ou au nombre de coups qu'il a pu lui donner. Non, non, et trois fois non. Si les parents partagent une valeur commune, c'est celle de l'échec. La nature ne nous a donné des parents que pour nous montrer comment nous ne devons pas élever nos enfants. Aucun parent n'est bon. Tous se trompent. Tous échouent. Aucun parent n'est un bon parent. Et vous me direz que ça, on le sait depuis le Moyen-Âge, que tous les pères se valent. Et oui, certes, il peut y avoir des pères sévères, mais notre poète Hugues, lui, ne perd pas ses vers. Oh. On va maintenant accueillir pour la contradiction, pendant qu'on laisse Hugues se reposer, en d'autres termes, qu'on met Hugues au frais, on va accueillir son adversaire Pierre Faury. Il a 20 ans et c'est un enfant du pays. Il est aixois d'origine. Même si depuis près de 10 ans, il fait une petite infidélité à sa ville natale pour aller étudier en région parisienne dans la prestigieuse école de commerce HEC Paris, dont il a remporté l'an dernier le concours d'éloquence. Sous une fortune d'applaudissements, accueillons donc Pierre Faury. Cher jury, chère audience, si les hommes naissent égaux, certains naissent avec un égo supérieur. Car dès le départ, la vie nous désigne et la vie nous sépare. D'un côté, les victimes, et de l'autre, les victoires. D'un côté, les petits centimes, de l'autre, les bons sentiments. D'un côté, les âmes sensibles, de l'autre, les parents qui mentent. Les fils accidentels et les filles occidentales, celles qui s'habillent en dentelle et ceux qui restent en sandales. Autant de déterminisme latent qui nous place dans l'attente d'un futur inexorable, inévitable, et dont nos parents sont la seule origine véritable. Car le proverbe nous le dit, tel père, tel fils. Ce soir, le proverbe, la prophétie se réalise, car devant vous, à 20 ans, si je ne suis pas très grand, vous l'aurez remarqué, pas très imposant, pas si différent, et si comme Bertrand Perrier, mes cheveux se dégarniront avant mes 40 ans, je sais à qui je le dois. À toi, maman, et surtout à toi, papa. Car oui, je me présente ce soir devant vous comme un fruit, le fruit de mes deux parents. Mes deux vieilles branches, ultime ramification d'un arbre familial séculaire qui aura accouché d'un fruit qui, je l'espère, n'est pas un fruit pourri, ou me concernant, un fruit pourri gâté. Gâté par la nature qui m'aura confié pour racine ces deux admirables parents. C'était d'ordinaire le propre des enfants que de voir leur père comme des héros, leur mère comme des héroïnes, des sortes de drogues sur lesquelles ils ne tireront aucun trait. Et pourtant,
Pourtant, même aux yeux ébahis d'un enfant, tous les parents ne se valent pas. Parce que malgré ça, il existe autant de pères dans le monde que de gouttes dans la mer. Car il y a les pères absents et les permanents, les perspicaces et les pères qui se cassent, les pères sévères et les pères charmants, les méritantes et les persistants, les mères hors pair et les pères amers, les pères sinistres et les mères légères, les pères ministres et Bruno Le Maire, les exemplaires et les mercenaires, les pères gagnants, les mères perdantes, les perfides, les mères froides, les mères chaudes, les perchées, les mères sereines et les perturbées, les pères merdiques et les mères pudiques, les performants, les impertinents, les pères personnes et les perfections, les mères bien connes, toutes en perdition, des mères noires, des pères verts, des mères jeunes, des pères rimés, des permissions, des mères usées, des percussions, des mères posées, des perfusions, des ménopausées, des pères durs et des mercantiles, des mères pures et des pères gentils, les grands-pères, les belles-mères, les personnages du père Fouettard à la mère Michel, de Merkel à Perrier, des pères spirituels au putain de père Noël, tant de parents transparents que l'on s'y perd entre les parents qui commettent l'impair et ceux qui font la paire. Entre ces parents faciles, ceux qui nous fascinent, ceux qui nous façonnent, et ces parents fragiles, ceux qui nous inspirent, ceux qui nous passionnent. Entre les parents qui s'en vont un par un, ceux qui vous prennent par la main, qui vous relèvent quand vous êtes par terre, qui vous aiment partout, qui connaissent votre parcours par cœur, ceux qui ne sont jamais partis, ceux qui disent pardon, ceux qui vous oublient parfois, ceux qui vous blessent, ceux qui vous disent adieu, ceux qui vous respectent et ceux qui vous irritent, ceux dont les insultes frappent comme des météorites, comme quoi les choses les plus inhumaines, ce sont des humains qui les commettent. Ceux qui vous acceptent comme vous êtes, et ceux qui vous aiment, ceux qui vous le disent, ceux qui vous le montrent, et ceux qui s'efforcent de le taire, car l'amour, c'est certes la mère des batailles, mais ce n'est pas la bataille de toutes les mères. Mais, si tel père, tel fils, alors il existe autant d'enfants que de parents. Il y a des enfants terribles et des enfants prodiges, des enfants prodigues. Des enfants de rois, des enfants maudits, des enfants Œdipe, des enfants de cœur et des fils uniques. Car oui, je suis un fils unique, n'en déplaise à mon frère et à ma sœur. Et si je suis unique et modeste surtout, c'est parce que mes parents le sont tout autant. Oui, mes parents imperturbables, malgré leurs quelques défauts et leurs sautes d'humeur. S'ils ont quelques kilos en trop, c'est à cause de leur grand cœur. Mes parents qui ne viennent pas me voir à mes concours d'éloquence, même en finale. Mes parents qui sont moins souvent à la maison que dans le reste de la France. Et bien malgré tout, malgré les claques et les fessées du passé, malgré les heures passées au coin, et même quand ils sont loin, ces parents-là, je ne les changerai pour aucun autre. Et je ne dis pas cela ce soir parce que j'ai besoin de quelqu'un pour payer mon permis et mes chaussures. Non. Je dis cela parce qu'autour de moi, je connais des parents défunts, parce que j'ai connu des pères d'orphelins, que je sais l'importance d'être avec les siens jusqu'à la fin des fins. Et ce, malgré la vie et toutes ses douleurs. Parce qu'une famille, ce sont plus que des liens de sang, ce sont des liens de cœur. Alors, une fois établi ce douloureux constat, je me rends compte que ces parents-là, je ne peux leur faire aucun reproche, que c'est de ma faute si je suis de plus en plus loin de mes proches. Chers parents, il est dans ce monde des mensonges que l'on s'avoue et des vérités que l'on savoure. Alors ce soir, face à vous, je savoure l'instant et je m'avoue la vérité suivante que je regarde droit dans les yeux, fixement. La voici, à tous les moments importants, je penserai à vous, partout, tout le temps. Que ce soit dans 10 ans, quand elle me dira oui, pour prendre votre nom. Dans 15, quand à mon tour je deviendrai parent. Dans 20, quand je deviendrai président, je penserai à vous. À votre amour, à votre humour. Et quand vous partirez, je l'espère dans bien longtemps, je songerai à vous et peut-être songerez-vous au dernier mot de ce discours. Chère mère, cher père,
Vous méritez ce soir un moment d'émotion. D'émotion éphémère. Papa a la vie périlleuse. Et toi, maman, la merveilleuse. Vous m'avez emmené au firmament. Et vous êtes et vous resterez mes repères. Mes repères pour la vie. Et pour cela, je ne peux vous dire qu'un seul mot. Le dernier mot qui me viendra à l'esprit. Le même mot que pour conclure, je donnerai ce soir à mon audience, à mon jury. Papa, maman, vous n'êtes pas là ce soir, mais où que vous soyez dans ce pays, même quand vous serez au paradis, je vous le dirai et je vous le dis. Merci. Une performance percutante. Et on va rappeler Hugues pour venir affronter son frère Pierre Faury dans une petite dispute familiale. Une question, première question du jury. Oui. Moi j'ai une question pour Piero Sarkozy et Huguette. Je déconne. Vous parlez beaucoup des parents, mais si vous, demain vous aviez des enfants, un enfant, ce serait quoi la première chose ou le premier conseil que vous lui donneriez pour affronter ce train fantôme qui est la vie, tout simplement ? C'est parce que j'en ai un de deux ans, je ne sais pas quoi lui dire. Vraiment, je vous demande conseil. Déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas l'appeler Carbon, car ça crée des inégalités dès la naissance. D'accord. Ensuite, à deux ans, je pense que ce n'est pas trop le moment pour les conseils de vie, mais plus pour passer du temps avec lui. Plutôt que de venir assister à un concours d'éloquence malgré sa. Voilà, tu vois. Et ben, je m'étais fait chier jusqu'à maintenant. Bah voilà. Et ben, tu vois, voilà, faut que je te pousse, faut que je dise des horreurs, mais c'est très bien. Ça. Je vote pour toi tout de suite. T'as gagné. Non, mais t'as gagné, le coup, c'est bon. Ah, t'as gagné, t'as gagné. Je peux partir. C'est bon, non, bravo. Une autre question, peut-être. Oui. Pierre, pour grandir, est-ce qu'il faut tuer ses parents ? Ou tuer l'enfant de ses parents, ce qui est une cible, vous en conviendrez, beaucoup plus difficile. Grandir, pour moi, c'est une question importante. J'aurais dû manger plus de soupe. Peut-être que je suis, moi, un enfant Oedipe. Je dois à la fois tuer le père, et peut-être, en gladiateur, rentrer dans l'arène. Salut, maman. Oui, j'ai l'impression en fait que vous êtes une nouvelle fois d'accord là. Ce qui vous non mais franchement non. C'est pas possible, on n'a pas d'opposition là. Vous êtes c'est l'hymne absolu aux parents imparfaits. Finalement le pire du pire c'est les parents géniaux quoi. Là-dessus vous êtes d'accord non? Bon. Est-ce que c'est le pire du pire ou est-ce que les parents géniaux ou parents moins géniaux ne se valent pas finalement ? Moi je dirais que si. Est-ce qu'il y a un pire parent ou un meilleur parent ? Je pense que le meilleur parent c'est de ne pas en avoir. Et seuls les orphelins et les gens sans parents ont des parents de rêve. Les autres rêvent de parents. Bravo. Alors je dirais, c'est amusant parce que en fait, non, il y a une vraie, véritable contradiction, mais c'est intéressant parce que l'un dit les parents, c'est pas possible, famille, je vous hais, et vous, vous dites famille, qu'est-ce que je vous remercie. Il y a une chose que je voudrais dire déjà dans le haut. Il y a quand même, attention, si je peux me permettre, attention au calembour. Veillez à ce que l'almanach Vermeule ne devienne pas l'almanach Vermart. Attention à ça. Et un peu trop de calembour. Mais autrement, je voudrais savoir ce que vous pensez, mais tous les deux, de ce que disait Sartre quand on lui demandait, vous savez, la liberté. On lui a dit, Sartre, vous avez écrit 400 bouquins sur la liberté. Dans une phrase, qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce que c'est que la liberté ? Et il a dit, la liberté, c'est ce que tu fais de ce qu'on fait de toi. Tu n'as pas choisi tes parents, tu n'as pas choisi ton environnement, tu n'as pas choisi le lieu où tu es né, mais c'est toi qui te fais par rapport à ça. Je voudrais savoir ce que vous en pensez tous les deux. Je vous laisse, cher confrère, la parole. Ça s'appelle la technique du lâche. Moi qui pensais être uniquement un homme généreux, je suis déçu. Pour une fois, cher André, cher monsieur Berkoff, je vais vous répondre sérieusement. Pour une fois.
Non, je crois qu'on peut s'émanciper des déterminismes. Que le chemin n'est pas tracé, qu'on a le droit justement au chemin de traverse, et que l'on soit né sous la bonne étoile ou sous la mauvaise étoile, on peut quand même se retrouver au bon endroit, au bon moment. Et ce soir, je crois que c'est ici. Bravo. Hugues, une réponse ? Moi, j'aurais une réponse beaucoup plus courte, j'aurais dit oui. C'est moins beau, mais un peu plus percutant, je pense. Et ce sera le mot de la fin de cette joute. Le mot percutant. Bien, nous avons fini cette joute en parlant de liberté, et le sujet suivant parle lui aussi de liberté. Puisque c'est la magnifique phrase « La liberté a toujours les mains propres ». Ce n'est pas une citation d'Olivier Véran, non. C'est une citation d'André Malraux. En fait, André Malraux avait dit « La liberté n'a pas toujours les mains propres ». Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les gestes barrières comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la citation d'actualité qu'aurait sans doute dit André Malraux de nos jours, c'est « La liberté a toujours les mains propres ». Et pour s'attaquer à ce sujet hydroalcoolique, nous allons accueillir Anthony Graziano Peronel. Lui, c'est presque aussi un enfant du pays puisqu'il fait son master de lettres modernes à l'université d'Aix-Marseille. Mais au départ, il voulait être astrophysicien avant de se passionner pour le monde de l'écriture créative et de la littérature. Donc sous une galaxie d'applaudissements, accueillons Anthony Graziano Peronel. Il était une fois un homme que tous ses frères d'antan décidèrent de châtier. Il était une fois un homme qui faisait des miracles, qui faisait peur aussi, que l'on fit condamner. Et la justice, en haut de ses marches abruptes, dans son palais sublime, préférant la légèreté et le luxe de s'aérer, de se libérer l'esprit, choisit de fermer les yeux, de tourner le dos. Avant cela, défiant la foule du regard, prononça ces mots. Je m'en lave les mains. La liberté est un fardeau, parfois lourd à porter, qui nous rend responsables, mais surtout que l'on ne saurait condamner. La liberté ne connaît d'autre loi que la sienne propre, d'éviscérer les cages et les carcans, de repousser la soumission, l'oppression, l'écrasement, de pouvoir respirer, marcher, sourire, d'exiger qu'on la laisse en paix, qu'on la laisse choisir, de son point de vue, sans aucune condition. La liberté, c'est la plus grande question de l'humanité. À son sujet, deux thèses s'opposent rageusement. La première pose la liberté comme un droit naturel, fondamental, indiscutable. Plus encore que cela, elle revient à affirmer que la liberté est inhérente au genre humain, que la liberté est, pour ainsi dire, le propre de l'homme. Les deux sont ainsi parfaitement collés, entrelacés, superposés et surtout indissociables. On ne saurait choisir alors un terme plus approprié que la liberté pour désigner l'état offert entre les mains des hommes. La seconde thèse qui se dresse de l'autre côté de ce ring philosophique suggère que la liberté, si elle est à portée de main, n'est pas innée, qu'elle n'est pas donnée d'emblée, mais qu'il faut l'atteindre, l'acquérir, la mériter peut-être. Dans ce cas, loin d'être une mince affaire, c'est à coup sûr une affaire personnelle. Qui d'autre que nous-mêmes pour mener nos actions, forger notre morale, choisir la liberté que l'on veut se construire de nos propres mains. La liberté, c'est la mission qui nous est assignée à chacune, à chacun, qui vire à l'obsession souvent, mais quoi qu'on fasse, c'est la tâche dont nous nous entichons. La liberté s'obtient, se gagne par soi-même. Nous nous battons pour elle de nos propres mains. À la force de nos bras, de nos mots, nous dessinons un lendemain un monde nouveau, avec la feuille blanche devant nous, le champ libre et le temps venu que prennent vie nos idées, nos idéaux. Alors, une fois qu'on la tient, cette liberté, on la chérit,
on la retient entre nos mains, on la défend, on la laisse vibrer, on la laisse vivre. Dans les deux cas, la liberté se révèle aussi précieuse que fragile. Dans les deux cas, la liberté s'impose comme une obligation morale, à mettre en œuvre peut-être, à faire respecter sans aucun doute. Et c'est pour cela qu'à tous ceux qui me diront, qui me crieront que parfois, tu sais, s'excusant presque d'avance, parfois c'est nécessaire, on le comprend, ils tourneront en rond et finiront par souffler que parfois, il a fallu se salir les mains pour atteindre sa liberté. À tout cela, je leur réponds que non. La liberté est immaculée dans ce genre d'histoire. Si la honte doit changer de camp, la crasse sous les ongles aussi. La liberté est une obligation morale, la plus grande qui soit, et tout être humain se doit de la poursuivre, aveugle aux obstacles futiles, de l'attraper à tout prix. Alors, le chemin sera souvent boueux. On pourra finir du sang sur les bottes, mais la tête haute. La liberté en ligne de mire, pour faire respecter sa condition, baliser son empire. Les mains qui se débattent pour cette liberté, leur essence d'humanité, les mains de ces gens-là resteront toujours propres. Parce qu'à la fin, ce sont les oppresseurs qui ont les mains sales. Des années après le temps meurtri des colonies, l'esclavagisme, tous ces individus asservis, déshumanisés, torturés, tous ces corps restés au sol pour trop de mauvais traitements. Qui oserait dire qu'ils sont sales? Qui? Mais les États, eux, les mains tachées de sang, la morale ridicule, demandent aujourd'hui pardon pour se laver de leur culpabilité. Les traces des horreurs rattrapent toujours leurs auteurs, les bourreaux. Finissent par remonter sur leurs mains, diffuser les odeurs, ressortir de leur peau, noircir leurs paumes, goûter du sang. L'affaire est nette à tous les étages. L'échelle peut se renverser, mais mains propres et argent sale ne feront jamais bon ménage. À moins de tricher, chaque joueur a sa propre main de cartes qu'il ne saurait échanger. Et avec un peu de chance, il aura de quoi faire, autant sa couronne à la reine pour que la liberté règne. Ne nous méprenons pas, non, pas d'à peu près, pour parler clairement, fièrement, se libérer de nos chaînes, les doutes, les jugements, prenons les mots appropriés entre nos propres mains et portons-les avec une audace souveraine. Et puisqu'une main lave l'autre, c'est en se frottant la cervelle que naissent les textes savants qui lavent des peines à la pelle, celles des mains qui prient à l'unisson, attendant qu'une main de maître les libère de la pression. La liberté est une bénédiction. Les actions qu'elle exige se couvrent toujours d'un drap blanc. J'ai passé tant de temps libre à jouer avec les mots pour me sentir vivre, faire frissonner ma peau, pour tuer les secondes. Mais qui pourra dire que j'ai du sang sur les mains? Aux innocents, les mains pleines à ce qu'on dit. Les miennes sont pleines de rêves que j'égrène. Si je ferme les yeux, ce sont elles qui prendront les rênes pour soigner ma tête vers la liberté, toujours continuer ma quête comme une lumière au bout du tunnel, une étoile dans le ciel, car les mains de la liberté scintillent toujours d'une clarté éblouissante. Merci. La liberté est propre, envoyons les oppresseurs au pressing. Pour lui répondre, nous allons accueillir Estelle Griette. Elle a 20 ans, elle est en première année à Sciences Po Toulouse, même si elle vient de Paris. Elle préfère sans doute les chocolatines au pain au chocolat. Elle a découvert l'éloquence en classe préparatoire littéraire et ensuite à Sciences Po Toulouse grâce à l'association Les Tribuns. Et ça l'a tout de suite passionnée jusqu'à se retrouver ici pour un début dans l'éloquence. Se retrouver ici, c'est quand même impressionnant comme performance. Donc accueillons Estelle Griette sous vos applaudissements. Hier matin, levé du bon pied, j'ai décidé d'aller prendre mon pied. Je prends mes jambes à mon cou, je ferme ma porte. Ça y est, j'ai le monde devant moi.
Il n'est certes pas à mes pieds ou entre mes mains, mais ce dont je suis certaine, c'est que mes yeux et vos yeux le voient à travers des persiennes. Sur mon chemin, je tombe sur Lise, une amie d'enfance avec qui j'ai perdu contact. Mais vous savez, c'est ce genre de personne avec qui vous parlez comme si vous ne vous étiez pas vu depuis 2 jours. Elle me raconte alors, sans aucun problème, que tout ce climat d'élection présidentielle commence à lui casser les pieds. Qu'elle n'a franchement pas envie de voir arriver encore un autre guignol au pouvoir. Alors, non mais j'ai décidé, cette fois, j'irai pas voter. Bon, que voulez-vous que je lui dise ? C'est son avis. Mais après, elle me raconte s'être fait insulter sur Twitter par des centaines et des centaines de personnes pour avoir osé dire qu'elle pensait ça. Bon, je me prends pas la tête avec ça, j'avais pas le temps, j'avais rendez-vous avec un plan cul. Sur mon chemin, je passe à travers un parc fleuri, des canards pataugent, des vieux rêves de leurs beaux jours, nourrissent des oiseaux, des jeunes vendent de la bœuf par-ci par-là. Moi aussi, je suis dans mes rêves, tellement que je fonce dans quelqu'un. Surprise, c'est encore un ami. Cette fois, c'est Bert. Je ne l'ai pas vu depuis mon voyage en Allemagne il y a à peu près 2 ans. On discute 5 minutes et il me raconte que ça y est, il est journaliste. Il réalise enfin son rêve. Mais là, il est parti en justice. Il porte plainte contre son employeur car un de ses articles, considéré politiquement incorrect, a été censuré. Je me prends pas non plus la tête avec ça, j'avais pas le temps. Bon, finalement, j'arrive à destination, je vais pas vous faire non plus un détail de ce qui s'est passé, mais comme prévu, j'ai pris mon pied. Je rentre le soir chez moi, j'allume ma télé, et j'entends parler d'une fille nommée Thée. Elle vit en Pologne et son cas fait polémique. Elle est descendue dans la rue à 15 ans, pour protester contre l'interdiction à l'avortement. Peut-être un peu trop de seins. La robe cintrée, la poitrine en avant, les jambes écartées. Elle s'est faite violer. Elle ne se fera plus tringler, mais cintrée. Je croise les doigts pour qu'elle s'en sorte. Plus tard dans la soirée, une réflexion m'est venue à l'esprit. Les cas de liberté ne sont que des exemples d'atteinte à la liberté. Ce ne sont que des exemples de ce contre quoi des hommes et des femmes ont protesté, se sont battus, bec et ongles, ont mis les pieds dans le plat, sans se faire un sang d'encre de ce qu'il pourrait leur arriver. Alors non, liberté n'ont pas les mains propres et croyez-moi, elles sont bien sales, pleines de miasmes, de microbes, de glaire, de morve bien jaune. Que sont les atteintes à la liberté ? Liberté font les frais d'une liberté qui est toujours à perfectionner, qu'elle soit de la presse, de pensée, du corps, d'expression ou sexuelle. Elle a mis du temps pour en arriver où elle en est. Elle est au final aussi défigurée que les frères Bogdanov ou les Marseillais à Cancun. Rien de très reluisant. La liberté, telle que vous la voyez aujourd'hui, est faite d'opérations multiples dont les tables sur lesquelles elle est passée ont connu des instruments chirurgicaux plus ou moins, ou ma foi, plus que moins, consternants par leur barbarie. La liberté n'a pas toujours les mains propres. Et c'est aussi vous qui la salissez. Oui, c'est vous tous qui oubliez que ce n'est pas au moment de la déclaration d'indépendance que le sang a arrêté de couler, que ce n'est pas au moment où des discours ont été prononcés que la liberté fut actée. En voulant trop accélérer l'histoire, vous en oubliez ces échecs sanglants. Cessez de vouloir vous en laver les mains. Car
vous oubliez que le premier qui a tenté de gravir cette montagne, dont le sommet s'appelle Liberté, qu'il s'est écorché les mains et a serré les poings, qu'il a donné de son corps et de son âme pour que ceux qui passent après lui le fassent sur un chemin moins sinueux. Enfin remise sur pied après cette journée, bien qu'ayant pris mon pied, toute cette histoire m'a pris la tête. Mes yeux ont vu de toutes les couleurs, celle de la crasse qui est sur les corps de Lisberté, empreinte d'une liberté toujours à perfectionner, celle qui est sur vos mains, celle du sang qui est sur les draps, trempé de thé, agonisant, montrant l'exemple d'une femme qui n'a pas peur de se battre pour la liberté de son corps. Car tu sais, c'est pas si facile d'être une femme libérée. Ne la laisse pas tomber. Ne faites pas comme moi. Ne vous préoccupez que de votre cul, au risque d'être des faux culs. Car c'est aussi vos libertés. Alors, vous tous qui pensez que la liberté est actée une fois pour toutes, pour toujours et depuis toujours, je vous en prie, tendez les deux joues. Vous avez des têtes à claque. La liberté n'a pas fini de se salir les mains, les yeux, la bouche, la langue, les pieds, et donnera de tout son corps tant qu'il y aura encore à faire. Merci. Libérer Anthony. Et de commencer l'affrontement à main nue sur la propreté des mains de la liberté. Une question, le jury ? Première question. Maître Carbon, de 16. Je t'en prie. Une question pour vous deux. Où pensez-vous qu'aujourd'hui, il faut écrire son nom, Liberté ? Je, vous voyez, je vais déjà prendre partie de votre question. Écrire son nom de la liberté. Le problème, c'est que vous parlez à des personnes comme moi et comme au public qui, vous leur parlez de liberté. Mais qu'est-ce que c'est la liberté ? C'est un concept, en fait. C'est creux. C'est comme quand on vous parle au présidentiel d'égalité sociale. Hein. Quand on vous parle de liberté, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Eh bien, c'est creux. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que pour les cas de Lisberté, je m'en suis allée. J'ai pas pris le temps. Et écrire son nom de la liberté, voyez, je trouverais ça hypocrite. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui agit pour la liberté. On agit tous pour la liberté à notre échelle. Et malheureusement, mais évidemment, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord. Je pense que le mot liberté, il faut l'écrire de partout pour s'en souvenir. Et donc, pour s'en souvenir en premier lieu, peut-être l'écrire sur nos mains et s'en rappeler chaque jour que c'est vers ça qu'elles doivent nous mener. On aura les mains propres dans ces cas-là ? Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'avec le Covid, tu te laves les mains, t'as plus la liberté écrite sur tes mains. On va avoir recours au tatouage, c'est plus efficace. Estelle, vous avez parlé au début de quelque chose qui était fondamental pour moi. Pour les élections, on a très peu parlé. C'est un pilier de la démocratie. C'est quelque chose qui même permet la cohésion sociale. Le plan cul. C'est le plan cul, voilà. Évidemment, on est d'accord. Il n'empêche, parlons de notre beau pays. Est-ce qu'on peut parler de liberté sans parler d'égalité et de fraternité ? Au départ, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas au départ. Ça posait de problème à personne. C'était pas ça au départ. Hein. Au départ, c'était pas liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce qu'on en avait à faire ? Mais au final, aujourd'hui, c'est devenu important. C'est devenu important parce qu'on se rend compte des inégalités, on se rend compte des problèmes qu'il y a dans notre société, et on se rend compte qu'on en a besoin pour vivre, et qu'on a des problèmes à toutes les échelles, parce qu'on s'est pas concentré que sur une seule échelle. On n'a pas pris juste le cas de la France, où c'est clair, on a pas mal de liberté, on va pas se mentir. On va aller regarder en Irak, on va aller regarder en Pologne, on va aller regarder là, maintenant, en Russie. Je pense que vous serez content de vos libertés. Donc oui, c'est un problème fondamental et il est intéressant de l'analyser à différentes échelles.
Anthony ? Si je dois dire deux mots là-dessus, bon, égalité et fraternité déjà. Mais évidemment, je pense que la liberté, parce que c'est l'affaire de chacun, va reposer sur des recettes et des moyens différents. Mais l'égalité et la fraternité, je pense qu'effectivement, ce n'était pas forcément une donnée d'entrée et qu'on s'est rendu compte que c'était quand même des ingrédients qui jouaient un rôle important pour que chacun puisse trouver sa liberté. Une question à vous deux. Que pensez-vous ? Est-ce que c'est mince propre ou mince sale quand on dit votre liberté ou la liberté de l'un commence ou finit celle de l'autre ? Anthony ? C'est moi-même. Bonjour. Je pense que aller chercher sa liberté, parce que ça part d'une intention qui est noble, quelque part, c'est forcément avoir les mains propres. Délibérément empiéter sur la liberté de l'autre, et donc ne pas respecter le principe même de la liberté de s'arrêter avant d'entraver celle d'autrui, là, forcément, c'est se salir les mains, c'est empêcher l'autre d'être libre et donc d'être propre. Quant à moi, je trouve que cette citation est un peu bateau. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est typiquement une copie de troisième qu'on commencerait sans vraiment savoir quoi mettre. Et ben moi, je vais vous reprendre ce que Rousseau disait. Et Rousseau, il nous dit que la liberté, c'est faire tout ce que les droits nous permettent de faire, tout simplement, et qu'on a tous les mêmes droits. La Rousseau. Oui. Rousseau. Je me rappelle. Non, mais je me rappelle de la chanson maintenant. Ça y est. On a tous les mêmes droits. Peut-être une réaction de l'homme de lettres et de droit, Carbon de 16. Ah ben moi, je viens volontiers au secours de nos jeunes amis. C'est une phrase indécente, la liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Pourquoi ? Parce que c'est une phrase qui définit autrui comme l'ennemi. Puisque autrui est la frontière de votre liberté, ça veut dire qu'autrui est liberticide. Et donc, c'est nier toute dimension d'altérité de la liberté. Mais moi, j'ai une question pour vous. Vous savez que cette phrase a été prononcée par Malraux quand il a pris la défense des paravents de Jean Genet à l'Assemblée nationale dans un très beau morceau d'éloquence parlementaire. Les parlementaires ont attaqué Malraux parce que la pièce de Jean Genet, qui se moquait de l'armée et qui était très contestée par les anciens combattants d'Algérie et d'Indochine, était jouée dans le théâtre subventionné de l'Odéon. Et donc Malraux a pris la défense du théâtre subventionné en disant précisément que la liberté n'a pas toujours les mains propres, mais que ce n'est pas une raison pour la passer par la fenêtre sans y réfléchir au préalable. Donc pour moi, la question est simple. Ouais. Puisque vous avez l'air de considérer que la liberté... 13-4 minutes, vas-y. Puisque vous avez l'air de considérer que la liberté est devenue, hélas, un impensable démocratique, est-ce que les doigts de la liberté doivent se fourrer partout ? Ah. Excellent. Ma foi, si on reprend du coup le sujet, les doigts de Dieu se fourrent partout. Et je vais reprendre ce que je disais sur le fait qu'on n'a pas la même liberté partout, tout le temps. On va parler de liberté sexuelle. Il va y avoir des personnes, des hommes, beaucoup, pour pas faire de catégorisation. Merci. Qui vont penser que c'est pas leurs doigts qui fourrent partout parce qu'ils ont le droit de le faire. Comprennent qui Anthony voudra. Une réponse à ça. Qui pourra, qui aura envie. Moi j'ai compris, mais c'est fort. Alors tout d'abord, merci pour ce bref passage d'histoire. Et si on considère que la liberté, parce que c'est ce que certains diront, c'est un fourre-tout, alors bien sûr, on peut fourrer ses doigts partout. Après, même si on retombe... À vos risques et périls. À vos risques et périls. Bien sûr. Après, évidemment, on retomberait dans l'écueil de la liberté qui s'arrête là où celle de l'autre commence, mais peut-être que... Si on considère que deux libertés peuvent coexister, alors l'autre n'est plus un ennemi. Et au contraire, on peut arriver à trouver un terrain où chacun puisse vivre en vivant sa liberté sans entraver celle des autres. Et alors là, tout serait
susceptible d'être explorée par les doigts de la liberté. Un peut-être terrain d'entente à explorer avec les doigts. Attendez, il y a Jean-Luc Lahaye qui a une question. Ah, aussi. Une question urgente. Parce qu'on rentre dans un débat quand même de société. Il y a vraiment... Il est là, Jean-Luc, ou pas? Je pense que ça pourrait être le mot de la fin de ce débat. Non, j'ai quand même une vraie question. Ah, il y a quand même une vraie question. Non, j'ai quand même une vraie question. Enfin. J'ai une vraie question pour Estelle, qui nous a dit que quelque part pas loin, elle a montré, mais assez vaguement, il y avait des jeunes qui vendaient de la bœuf. Ah, mais... Alors moi je passe la soirée à Aix-en-Provence, mais... donc je voudrais savoir un peu comment elle, ça se passe. Elle a montré par là-bas. Alors par là, je crois que là, on est exposé vers où ici? On est sud? On est plein sud, alors on peut peut-être aller voir du côté des pays arabiques. Ah carrément. Arabique. Il n'y a pas plus près? La dame si, là-bas, juste en, là. En rouge. Juste là. Elle est défoncée, elle n'arrête pas de marcher comme ça depuis tout à l'heure. Ah non, c'est la sécu, pardon. Oula. Je croyais qu'on était dans un jury pochetrot. Je croyais qu'on était dans un jury pochetrot. Je m'aperçois qu'on est dans un jury de drogués. Mais c'est pourquoi pas. Qui sommes-nous pour juger? Mais j'ai remarqué que vous avez beaucoup retenu ce passage. Bah ouais, mais c'était bien. Particulièrement. Sur ces considérations botaniques, je pense qu'on peut à nouveau applaudir nos deux candidats. Car il est malheureusement temps d'attaquer maintenant le dernier sujet de ce soir, le dernier duel de la soirée. Et comme sujet de fin, nous avons choisi de vous parler d'amour. Parce que c'est un bon sujet, ça, l'amour. On est tous d'accord. Le plus beau des sujets. Hein. Avec l'humour. Le plus grand, avec l'humour, qui d'ailleurs peut être utilisé pour l'amour. Comme nous le dit un petit peu la citation dont nous allons parler, qui est... Parler d'amour, c'est faire l'amour. Alors, ce n'est pas une citation de Sébastien Thoen dans le journal du Hard. C'est une citation d'Honoré de Balzac. Donc, si l'on en croit cette citation, Honoré de Balzac faisait l'amour avec des centaines de pages de description. Pour s'attaquer à ce sujet amoureux, nous allons accueillir Alexis Hulls, qui a 25 ans, qui est à l'école de commerce LEDEC et qui a toujours employé l'éloquence depuis sa plus tendre enfance pour se sortir de toutes les misères du quotidien, sécher son cours de poney, négocier plus de poissons panés pour ses camarades à la cantine ou encore aujourd'hui convaincre son propriétaire de lui réparer ses fuites d'eau. Alexis qui va nous démontrer que parler d'amour, c'est faire l'amour, sous vos applaudissements. Pas une fuite d'eau, pile. C'était la chasse d'eau. D'ailleurs, s'il y a des plombiers dans la salle, ou des avocats. Elle était belle et j'aimais tout chez elle. Sa beauté inédite, ses yeux perçants de rapace et leur profonde couleur d'absinthe. Elle était intelligente, mais elle chassait les flocons de neige avec sa langue. Elle riait aux larmes quand je m'éclatais le petit doigt de pied sur la table basse. Elle louchait quand elle poivrait ses pattes. Elle avait cet éternuement qui force le respect. Juliette est entrée dans ma vie comme une dalle de marbre s'écrase sur un passant. C'était notre premier rendez-vous d'amour. « Mais tu trembles !» me dit-elle. « Tu m'excites comme trois cafés, » lui dis-je. De cette répartie, j'éprouvais plus que la joie d'une réussite, presque l'hilarité d'une joyeuse farce. La terreur à demi-religieuse qui me rendait les femmes plus grandes que nature se dissipait avec la chartreuse verte. Il était temps de porter le coup final, humectation de ma lèvre supérieure, regard de mondain spirituel, puis avec une voix d'alcoolique et des modulations d'acteur. Tu dois avoir mal aux jambes à force de trotter dans ma tête. De ma large bouche, aux lèvres labourées par le vin, les mots jaillissaient en cascade, elle avait le droit à sa part de festin. Baudelaire écrivait « Un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à cacher à ses semblables. » Mais Charles, un homme qui ne boit pas assez d'eau incommode ses semblables. Dans le monde parallèle, de mon sang au gin tonic, par moi-même charmé, je me redis toute la nuit ces phrases fines et cultivées que je lui avais servies. Puis je lui écris les 5 plus beaux messages d'amour jamais écrits. 20 jours plus tard, je reçus cette réponse en 4 caractères. « Stop !» qu'on envoie généralement pour résilier une newsletter.
Si elle avait passé la main dans ses cheveux, c'était par ennui. Si elle souriait, c'était par gêne. Si elle était restée, c'était pour une curiosité presque zoologique pour mon front. Ce soir-là, par mes mots, je n'avais fait en définitive l'amour qu'à moi-même, ce qui est un premier pas. Mesdames, messieurs, dans cette course à la vie, certains partent de plus loin. Oui, mes frères, pour nous, la route est longue et les femmes sont cruelles. Ce soir-là, j'avais parlé d'amour et j'avais bâti la plus robuste des contraceptions. Mais comme tout bois ne devient pas violon, comme tout cuivre ne se réveille pas clairon, toute parole d'amour ne consiste pas à faire l'amour. Certains diront que c'est l'échec de la parole. Laissez-moi vous affirmer ce soir que c'est tout le contraire qui est vrai. Car la beauté de la parole, c'est qu'elle est faite de mille matières et qu'elle peut être à la fois insignifiante ou divine, minable ou magique. Comme le son d'une trompette, elle est à la mesure du souffle de son trompettiste. Sous les draps de la chambre à coucher, le constat n'est peut-être pas si différent. Mesdames, messieurs, chers jurys, parler d'amour, c'est faire l'amour. Et c'est précisément parce que c'est le cas que parfois, c'est nul. C'est très, très bien. En arrivant à Aix, la nuque déjà pelée par le cagnard du matin, je rencontrais un jeune enfant qui vint vers moi et qui me dit « Je me nomme Le Simple ». Et je lui dis « Parle, Le Simple, nous t'écoutons ». La parole est faite de mots et la sexualité est faite de corps. Parler d'amour, c'est tout au mieux parler de faire l'amour. Et je lui dis « Oh toi, Le Simple, que sais-tu de l'amour à 11 ans ? Sache que parler d'amour, c'est flirter, mais plus encore, car la parole et le sexe sont faits de la même étoffe. À l'image de la parole, la sexualité est un élan, une rencontre, un accueil, un don à l'autre. » Et alors que j'entends battre au loin les mocassins à gland des nantis du premier rang, je comprends que cela puisse décontenancer la droite, mais mes amis, le discours amoureux est universel. Cher jury, n'avez-vous jamais lu ce mot d'amour qui alarme tout le corps, qui l'innerve et le magnétise jusqu'à votre dernier atome ? Cher nanti, sur votre voilier, n'avez-vous jamais été caressé par ce mot d'amour qui irrigue le corps jusqu'à son dernier vaisseau et qui ne peut plus se résoudre qu'en pluie de sueur et de salive ? Car nous le savons tous, les hiéroglyphes de l'amour forment une langue à part entière dans le langage des hommes. Une langue plus puissante, une langue sacrée, avec ses formules magiques, ses sorts et ses envoûtements. Le mot est cette puissance chimique ténue capable d'opérer sur le corps les plus puissantes altérations. Mesdames, messieurs du public, chers jurys, peuple du dernier rang, ne vous y trompez pas. Le coït n'est que l'illusion de la sexualité. Sans parole, le coït n'est qu'un pauvre pendule sans tempo. Et on y trouve au mieux le plaisir que l'on a à choisir. Des figues sur un étal. Car si nous ne parlions pas d'amour, au fond, nous ferions cela comme des bêtes. Avez-vous déjà vu un taureau faire l'amour ? Bénissons la parole. Je vous vois rire, mais qu'en est-il de vous ? Oui, vous ! Faites-vous encore l'amour ? Lui donnez-vous un petit surnom mignon ? Dans la recherche du temps perdu, Swan lui donne le nom d'une orchidée. Il ne fait pas l'amour, il fait Cattleya. Et vous-même ici, sûrement, avez chacun votre langage fleuri et vos cryptogrammes quand il s'agit de désigner le moment. Peut-être mettez-vous le petit Jésus dans la crèche. Faites-vous la bête à deux dos ? Ou nourrissez-vous la bouche sans dents ? Ou encore peut-être que vous utilisez l'ignoble faire la chose qui sert surtout à dire « Tu sais bien que Justine et moi, nous ne faisons plus la chose depuis des années. » Mais pourquoi ne font-ils plus la chose ? Parce qu'ils ne parlent plus. Justine, quand elle se colle dans un dernier élan à son Apollon décadent, elle fait un constat d'huissier, un constat de médecin légiste. Le désir est mort ! Et le petit Jésus pourrait au mieux éternuer sur la poussière de la crèche. Car le désir, comme le diamant, s'use de sa propre poussière. Il n'y a que le souffle de la parole qui puisse sans cesse la dissiper. Et toi, mon contradicteur, toi, Mehdi, je te pose la question. Quel orateur pourrait se désavouer au point d'affirmer que parler d'amour, ce n'est pas faire l'amour, que sa parole est une parole sèche, que ce soir, elle ne fécondera personne ? Tu es un taureau, Mehdi.
Et tu me répondras peut-être et très justement que si parler d'amour, c'est faire l'amour, alors on devrait jouir en parlant. Jouir en parlant ? Cher public, bouclez vos ceintures. Louis-Ferdinand Céline entre en scène. Dans sa correspondance avec Milton Indus, Céline affirmait que Camus et Sartre étaient à Paul Morand ce que le mousseux est au champagne, ce que la masturbation laborieuse est à la giclée franche. Paul Morand, je continue à citer, est le premier écrivain à avoir fait jazzer la langue française. Ce que nous dit Céline, avec grâce et délicatesse, c'est qu'en faisant danser la langue, Morand nous a fait jouir. C'est que le langage est non seulement lié à l'effervescence du corps, mais aussi au désir et à la jouissance. Parler d'amour, ce n'est pas seulement faire l'amour, mais c'est aller vers son stade ultime. Car le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l'autre, j'ai des mots en guise de doigts ou des doigts au bout de mes mots. Mon langage tremble de désir et tout discours amoureux signifie « je te désire ». Le libère, l'alimente, le ramifie et le fait exploser. Peuple d'Aix-en-Provence, dans l'amour, n'avez-vous jamais connu ces sanglots plus graves qu'une hémorragie ? N'avez-vous jamais connu ce « je t'aime » plus fort qu'un orgasme et qui retentit avec la magnitude d'un Big Bang ? La parole, à forte charge émotionnelle et à haute teneur de désir, est constitutive de l'amour, véhicule de l'amour. Et elle est amour. Et vous vous dites, depuis quelques minutes déjà peut-être, il a des grosses lunettes ce curé. Il est très très ouf. Et vous auriez tort de penser que je vous sermonne mes enfants. Car je suis l'homme aux mille conquêtes, verbal, le Casanova du dictionnaire, le slalomeur du contact physique. Je suis rentré dans les ordres de l'abstinence laïque. Je suis le premier moine qui n'a jamais été ordonné. La parole a tous les pouvoirs, et c'est dans la parole d'amour qu'elle trouve sa forme la plus haute. Quand les discours auront pris fin, que le silence reprendra à nouveau ses droits, vous remarquerez peut-être que quelques mots sont encore là, qu'ils seront encore en vous, et qu'ils vous auront fécondé. Car parler d'amour, c'est faire l'amour. Et peut-être me direz-vous, ce soir en rentrant, nous parlerons d'amour. Nous parlerons à en perdre haleine. Et ce serait la plus belle réponse que vous puissiez faire à ce discours et à cette question que je ne vous ai pas posée. Bah, c'était bien nul. Voilà un qui n'aime pas faire l'amour. Pour lui répondre, on va faire entrer le taureau dans l'arène. Le taureau qui se nomme Mehdi Soum, qui a 29 ans, qui étudie le droit pénal financier à Cergy-Pontoise, et qui est un grand randonneur et qui tenait d'ailleurs à nous raconter en public une anecdote concernant les vaches. Apparemment, un jour de randonnée, il a pratiqué le camping sauvage. Il tient à préciser, avec l'accord du propriétaire, master de droit pénal financier oblige, je suppose, le camping sauvage donc dans un champ et s'est retrouvé le lendemain matin entouré de bovins. Accueillons donc sous un beuglement, un mugissement d'applaudissements, le grand Mehdi Soum. Mesdames, messieurs, honorables membres du jury, cher public, très cher public, à 15 euros la place, à ce prix-là, je viens vous vendre mes mots et non pas quelques substances. Indépendamment de mes origines, venues d'une zone arabo, je ne sais quoi. Avant de commencer, je tiens à rappeler à mon contradicteur que je suis un taureau sorti du tauril et que je l'attends sur l'arène. Je vais lui montrer
ce qu'on fait sans les mots. La nature est à l'honneur. Alors je viens vous parler d'amour. Elle, elle était là, toute mouillée. Ses jambes le tremblaient encore, comme les feuilles en automne. Et sur ses cuisses douces et fermes, l'eau ruisselait. Transie de bonheur, elle se pâmait d'extase. Elle exultait sur son petit nuage. Haletante, essoufflée, elle venait de faire, ou plutôt de se faire, balloter, ça et là, de droite à gauche, et parfois même, violemment se faire retourner. Elle jubilait car elle venait, selon ses mots, de faire l'amour. Et quelle fâcheuse et malheureuse expression! Faire l'amour. Comme vous, madame, j'étais abasourdi de constater l'appauvrissement, l'affadissement, l'affaissement du langage. Vous voyez, de nos jours, on emploie le verbe faire. À tout va. On fait l'amour comme on fait la Seine, le Rhône, le Kilimandjaro ou l'Everest. Mais à en juger la mine de certains ici, un peu déconfite. Je crois qu'il y a méprise. Au risque de décevoir les petits coquins comme Alex, je n'ai pas décrit une femme ayant eu un rapport charnel, loin s'en faut. Enfin, de grâce, un peu de pudeur. Je viens de décrire une femme fatiguée de son exploit sportif, encore trempée, d'avoir descendu un fleuve en canoë-kayak. Oui, ce fleuve se nomme l'amour, oui. Ce fleuve est le plus long de Sibérie, oui, ce fleuve est long de 4354 kilomètres. Mesdames, messieurs, ce fleuve fait office de trait d'union selon les perspectives de frontières entre la Chine et la Russie. Et si quelques-uns ici l'ignoraient, j'espère que cette information amortira vos 15 euros. Et ce serait insulter le courage de cette femme que prétendre qu'ici, depuis ce lutrin, parler d'amour et donc de ce fleuve. C'est, pour reprendre cette claudiquante et maladroite expression, faire l'amour. Car je ne suis pas aussi téméraire que cette femme et je n'ai pas non plus son courage. Et je vous le concède, l'amour n'est pas qu'un fleuve. L'amour est polysémique et renvoie aussi tantôt au rapport charnel, corporel, sensuel entre deux êtres, mais aussi à ce rapport, à ce sentiment, que dis-je, ce sentiment unique, merveilleux et puissant qui fait chanter les cœurs à l'unisson. Parlons de ce qui intéresse Alex, l'amour physique, qu'il diffère avec sa langue, donc sans les mots. L'amour physique, c'est l'entrelacement des corps, qui souvent, dans la douceur de la nuit, lorsque l'or du ciel nous quitte, fait évaporer les contours des corps pour n'en former plus qu'un. C'est un rendez-vous Tinder réussi. Et nous le savons, il y a ceux qui en parlent beaucoup, n'est-ce pas ? Alors, ils en parlent, mais qu'ils font peu. Et puis il y a ceux qui n'en parlent pas, mais qu'ils font beaucoup. Il y a ceux qui parlent fort quand ils le font, aux grandes dames des voisins. Et puis il y a ceux qui ne parlent pas en le faisant, aux grandes dames de leurs partenaires. Mais prétendre que l'amour, c'est faire l'amour, est une aberration. Car, si tel était le cas, la vaillance de mon cher contradicteur Alex, dont je ne doute pas, n'aurait d'égal, malheureusement, que sa précocité. Celui-ci nous aurait donc fait l'amour en nous parlant, à chacun d'entre nous, à vous aussi, monsieur Berkoff. Et cela en 6 minutes. D'ailleurs, celui-ci ne
s'empêtre pas avec les histoires de consentement, ni du vôtre, madame. Ni du vôtre, madame Mühlmann. Ni du vôtre, monsieur Thoen. Et ni du mien. Je crois qu'ici, personne n'y a consenti, comme il le dit, son corps est frêle. D'ailleurs, personne n'a rien senti. Fort heureusement, nous avons avec nous un avocat pénaliste de renom, maître Carbon de Cèze. Je vous invite donc à le consulter. Je suis pour vous, maître, un apporteur d'affaires. Nous parlerons des arrangements financiers à la suite de ce concours. Et cela aussi amène à une question somme toute saugrenue qui, je crois, mérite la réflexion de maître Perrier. Maître Perrier, la parole d'amour, suffit-elle à caractériser matériellement le viol ? Pas mal. On marche sur la tête. Et chers contradicteurs, si tel était le cas, alors vous seriez déjà entêtés sur Twitter, affublés du hashtag MeToo, accablés par l'opinion publique, traînée face contre terre et vouée aux gémonies. Et vos propos sont scandaleux, monsieur. Car vous considérez que ce plaisir charnel est l'apanage des bien portants ou des beaux parleurs, excluant ainsi les sourds, muets et malvoyants, faute de pouvoir parler, ainsi que les taureaux. Cela est abject, discriminatoire et outrageant. Enfin, s'agissant de l'argument des relations épistolaires aujourd'hui numériques via SMS, ne vous y méprenez pas. Toute relation à distance ne fait qu'alimenter le désir. Alex, n'aie crainte, tu l'apprendras. L'onanisme, ce n'est pas faire l'amour. Car l'amour nécessite un contact physique. C'est son essence, sa sève, son ipséité. Et les mots pour cela sont bien insignifiants. Enfin, je vous l'ai dit, l'amour ne nécessite pas toujours de rapport charnel. Je vous parle de ce sentiment qui conduit à humer à longs traits les fragrances du cœur, dont les effluves embaument nos esprits. Ce sentiment qui fait courir les sourires niais sur le visage des amoureux, Godiche, qui enlace les cœurs pour les libérer des peines qui les essorent. Ce sentiment se fait, l'amour se fait, comprenez, se construit, que par les actes, jamais par les mots. Les beaux parleurs vous encensent comme des thuriféraires, mais ne parviennent jamais à l'amour platonique. Cet amour qui conduit un être à s'oublier dans les bras d'un autre, à privilégier les intérêts de l'autre, à substituer sur sa boussole son âme sœur à son or. Voyez cette mer. Cette mère seule, esselée, abandonnée par un conjoint trop couard pour élever, assumer et aimer son enfant autiste sévère. Cet enfant, incapable d'interagir et donc de parler d'amour ou de quoi que ce soit d'autre avec sa mère, enfermé, cloîtré, claque-muré, entre les parois incomprises de son esprit. Cet enfant qui, lorsqu'il ne parvient pas à s'exprimer, se déchaîne, s'énerve et explose à s'en déchirer le visage avec ses ongles devenus à l'instant des griffes acérées. Et sa mère qui ne compte plus les cicatrices sur son visage lacéré et qui toujours s'interpose pour que jamais son fils ne se blesse. Ces cicatrices sont les témoins de l'amour. Une ode à l'amour. Des actes d'amour. Mesdames, messieurs, souvenez-vous que les belles paroles ne valent rien si les actes ne suivent pas. Souvenez-vous que l'amour a cela de commun avec la guerre, qu'il n'existe que par les actes.
Souvenez-vous que l'amour, quel qu'il soit, charnel ou sentimental, est action ou n'est rien, exactement rien. Mesdames, messieurs, l'or du ciel nous quitte. Nous avons déjà trop parlé. Les mots doivent se coucher, car le temps est à l'action. Merci. Bien dans l'arène, Alex. Accueillons celui qui a Mehdi de Mehdi, le toréador, allez, Alexis. Allez, allez, Mehdi. Pour ce sujet un peu olé, olé. Oh, olé. Ah ouais. Sur l'amour enfant de Bohème, une première question. Oui, j'aimerais parler au curé aux grosses lunettes, s'il vous plaît. Parce que quand même, si vous voulez, c'était magnifique. Hein, mais vous avez cité Céline. Absolument. Qui à aucun moment n'a prétendu ni faire ni parler d'amour, puisqu'il considérait que l'amour était l'infini à la portée des caniches. Je sais bien... C'était pas une copine, Céline? Je sais bien qu'il faut faire flèche de tout bois, mais là, vous avez poussé un peu loin en allant chercher Céline, non? Là, ce qui est intéressant dans Céline, au-delà de l'archéologie de ses propos, c'est surtout qu'en fait, Céline nous dit, en fait, texto dans cette citation, que en fait, Paul Morand a fait jazzer la langue française et il nous a fait jouir. Et en fait, tout ce qu'on va chercher, c'est Céline, c'est pas tous ses livres, tout ce qu'il a pu écrire, tous ses pamphlets, toutes ces choses. C'est-à-dire qu'il met, en fait, le doigt sur une part très importante de mon discours. Par la langue, par l'effervescence de la langue, on arrive à la jouissance. Et la jouissance passe par la parole. Parce qu'on aurait pu m'opposer, peut-être que Mehdi l'a fait, que en parlant, on ne peut pas jouir. On parle encore de doigt. Hein. L'as-tu fait ? Mettre le doigt, c'est pas parler. J'ai pas compris. C'est pas grave. Je vais te montrer derrière la scène. Non, moi tout de suite, j'ai une question qui me vient. C'est lequel des deux qui est puceau ? Juste pour savoir. Non, mais c'est pour moi. Dites-le moi après, on s'en fout, les gens. C'est juste pour savoir. Là. Excusez-moi, André Berkoff. Quelqu'un de diplômé. Avec des vraies questions. Bon. Allez, là, vous êtes beaucoup inspiré et vous avez bien fait de deux très grands orateurs qui sont Bredin et Lévy, puisque vous parlez beaucoup de la jouissance. Mais alors, pour vous deux, parler, c'est convaincre, et convaincre, c'est jouir ou mourir. Parler, c'est convaincre, notamment, en plus d'émouvoir. Et lorsqu'on arrive au but, lorsqu'on a convaincu la personne, c'est pour aller au-delà, pour passer à l'acte, n'est-ce pas? Donc la parole permet de convaincre, puis ensuite, il faut passer à l'action. Avec le consentement, d'où l'intérêt justement de convaincre. Mais toi, le consentement, visiblement. Filou. Coquin. Je vous apprends à apprendre des taureaux, quand même. Là. Et j'ai une question à propos des gens du premier rang. Oui. Et je voudrais savoir si on peut décemment faire l'amour à quelqu'un qui porte des mocassins à glands. C'est aussi peu recommandable qu'avec ceux qui gardent leurs chaussettes. À moins de le faire avec ses pieds, et donc ses chaussures, encore une fois, on ne parle pas, on agit. Ouais. Je vais vous faire une petite confidence. Je ne sais pas si vous connaissez Quentin Tarantino. Est-ce que vous savez qu'il a un petit fétichisme? Je vous le dis, fétichisme des pieds. Tu oublies en fait le début de la question. Mais c'est déjà un peu d'information. Merci. Oui, voilà. Donc pour moi, c'est important d'enlever ses chaussettes. Voilà. Qui a des chaussettes? Manifestement, pas d'amour pour moi ce soir. Voilà, c'est ça. C'est... Une dernière question, peut-être ?
De la part du public, je ne sais pas. Et non, ah j'ai quand même une question pour Alexis. Oui. Et, donc, est-ce que c'est une pratique courante quand vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, oui, de vous adresser à des enfants de 11 ans pour leur parler d'amour? Je pense qu'il faut retourner un peu la question. C'est ce et, une coutume, et est-ce une coutume diocésaine? Il faut retourner la question du consentement. C'est ce jeune homme qui est venu me parler d'amour. Il m'a dit je me nomme le simple. Il a essayé de m'apprendre des choses sur l'amour et je l'ai écouté pieusement. D'accord. Très bien. Pieusement. Sur cette dernière question, un peu vache, je pense qu'on peut applaudir. Très vache. Bravo. Merci au jury. Et il va maintenant être temps pour le jury de prendre le taureau par les cornes et d'aller délibérer pour choisir qui sera le gagnant ou la gagnante de ce concours. Pendant ce temps, le public aura droit à quelques minutes d'entracte, le moment de voter évidemment. Donc sur l'application que vous avez téléchargée sur votre smartphone, c'est le moment pour chacun, que vous soyez ici en présentiel ou à nous suivre en distanciel, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, de voter pour le candidat ou la candidate qui vous a le plus convaincu, fait rire ou ému. Et on se retrouve dans quelques minutes pour l'annonce des résultats. Alors moi j'aime beaucoup François Sureau, qui est un avocat au Conseil d'État, qui est devenu académicien récemment, fait des plaidoiries un peu contre les lois antiterroristes, c'est un avocat des droits de l'homme que j'apprécie vraiment particulièrement. Mon sujet, j'ai trouvé qu'il était assez incroyable, parce qu'en fait il est un peu indéfendable. Parler d'amour, c'est faire l'amour. Logiquement, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler et faire en même temps. Et ce qui est assez excitant dans l'histoire, c'est que je vais finir par essayer de le démontrer. Absolument pas.
Je pense qu'il est assez hétéroclite, c'est ça qui est intéressant. On a du journalisme, on a deux avocats, on a un humoriste. Mais ouais, le jury impressionne un peu, mais je pense que le public impressionne même encore plus que le jury. Est-ce que mon discours vous a fait frissonner et qu'est-ce que vous allez faire en rentrant chez vous après avoir écouté mon discours? Il est magnifique, il est exceptionnel, c'est-à-dire que c'est du jamais vu en France. Là, d'habitude, c'est dans des amphis d'école de commerce, dans des amphis d'université, on est 30 à s'écouter parler entre nous. Là, c'est magnifique, c'est ouvert, c'est populaire, il y a des gens de gauche, des gens de droite. Des gens de tous les horizons, c'est le meilleur concours d'éloquence de France. Ah, excellente question. Alors, la situation la plus forte, mon éloquence m'a plutôt desservi que servi dans ma vie. J'essaie par exemple de convaincre mon propriétaire de me réparer ma fuite d'eau et ça fait 8 mois que ça traîne. J'ai pas nécessairement l'art de convaincre les gens par mon éloquence, j'ai l'impression. Plus de les faire sourire, rire, avec un sourire un peu à demi parodique. Il y en a tellement, chacun sont excellents dans leur style. S'il n'en faut qu'un, je dirais Marc Bonan. Délicat, on peut vite glisser dans le graveleux. Mais je vais faire de mon mieux. Il fait très bonne impression. Et la difficulté, c'est de pouvoir plaire, convaincre et émouvoir tout le monde qui vient d'horizons différents. Si je fais une bonne prestation, sinon non. Il est génial puisqu'il brasse l'ensemble des étudiants de la nation. Et donc on peut se retrouver avec différents étudiants de différentes universités ou d'écoles. Et ça, c'est bien. À rien. Je me balade pour ne pas penser et je contemple la merveille qu'est la nature. C'est Marc Bonan, qui est ancien bâtonnier de Genève, qui est pour moi le plus grand orateur vivant. Beaucoup d'interrogations. D'abord, était-il graveleux? Le doigt de Dieu se fourre-t-il partout? Il était peut-être un peu tendancieux. Puis finalement, une grande marge de manœuvre, car c'est Dieu. Donc Dieu, est-ce qu'il est une hypothèse? Est-ce qu'on doit y croire? C'était quand même assez large et donc très intéressant de le traiter. Forcément qu'il est impressionnant par les grands noms. On a aussi des grands professeurs, notamment de Assas, donc on reste un peu quand même corporatiste. Puis après, il y a aussi deux anciens avec Bertrand Perrier de la conférence des avocats du barreau de Paris. Donc forcément, très impressionnant quand on connaît le niveau que ça demande. Et enfin, on a toujours des grands noms politiques et de radio, donc forcément, impressionné. Tout d'abord de m'avoir écouté, ça serait la première des choses. La deuxième, peut-être d'écouter leur cœur, s'ils ont ri, s'ils ont été émus, s'ils ont été touchés, alors je serais très content qu'ils aient voté pour moi. Très impressionnant, pour tout vous avouer, alors j'imagine qu'on ne voit pas la caméra, mais moi sur ma gauche j'ai les 700 places de ce soir. On a eu un test micro, donc on a vu ce que ça a donné. C'est extrêmement, extrêmement impressionnant, parce que c'est le premier gros concours, j'ai plus l'habitude des amphis. Donc forcément, c'est un peu plus restreint, un peu plus familial. On sait pas, on connaît pas le public, donc c'est très impressionnant, mais aussi extrêmement stimulant, parce que c'est de l'inconnu. Donc c'est un très très beau concours que je recommande aussi à tous les amateurs d'éloquence. Alors bien sûr, on a tous été touchés par les sonorités, les assonances, les rimes. La musicalité, c'est avant tout une question de son, comme l'éloquence. Alors oui, la musique est intrinsèquement éloquente. En fait, ils sont plusieurs. Je dirais Marc Bonan parce qu'il a une qualité d'improvisation qui est assez exceptionnelle et que je respecte énormément et oui, qui m'inspire. Mais je pense que les secrétaires de la conférence sont tous inspirants dans leur style. Quand j'ai vu mon sujet, ça m'a amusé. Parce que tous les parents se valent, c'est quelque chose auquel d'instinct on dirait non, c'est impossible. Et donc trouver pourquoi tous les parents pourraient se valoir et trouver des choses, c'était intéressant en tout cas, j'ai bien aimé. Évidemment, il y a des gens... des gens dont on a lu les livres, des gens dont on a vu des interviews, dont on a vu des émissions, oui, c'est impressionnant. Je ne sais pas, j'espère que si j'ai pu vous faire voyager un peu avec mon discours, je pense que c'est une raison suffisante parce que faire voyager avec les mots, bah, c'est cool. C'est extrêmement bien organisé, c'est très beau, c'est assez impressionnant parce que le lieu, parce que l'endroit, parce que tout ce qu'il y a autour. Et je crois que c'est un vrai plaisir d'avoir été sélectionné. Un acteur a une relation au texte qui est extrêmement différente parce que souvent ce n'est pas le sien. Une relation au personnage différent parce qu'il en a un qui est assez précis. On va faire des généralités, il en a un qui est assez précis et il doit vraiment chercher à l'incarner sur un plateau. L'orateur, c'est son discours, ses mots. Il y a un enjeu derrière ses discours pour convaincre des gens sur un certain sujet. Il y a un jeu avec les mots, avec la langue qui est très différent. Et si je devais incarner un personnage, mon grand rêve, c'est d'incarner Cyrano. Je dirais que c'est Clément Viktorovitch que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais je trouve qu'il est
c'est très intéressant ce qu'il raconte et sa manière d'exprimer ses idées, la rhétorique qui va les développer et tous les projets qu'il va les soutenir en termes de rhétorique, je trouve ça très intéressant. J'ai beaucoup aimé mon sujet parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus, beaucoup de choses à dire et c'est aussi un sujet qui est très, très porté sur l'actualité. C'est un jury qui m'impressionne un peu, ma foi, parce que c'est quand même des personnes qui ont un certain niveau dans l'éloquence et c'est pas des personnes qui n'y connaissent rien, donc un petit peu oui. Je dirais que le public, il a sûrement pu se reconnaître dans ce que j'ai écrit, puisque ça a une visée globale et ça a aussi une visée à dénoncer ce qui se passe. Et je pense que c'est intéressant ce que j'ai pu écrire et pu dénoncer et aussi j'ai mis de moi dedans. Et je pense que ça s'est ressenti et j'espère que le public l'a ressenti et qu'il votera pour moi. Je trouve que c'est une super belle opportunité et une super belle expérience que le concours propose. Je dirais que c'est Cyrano de Bergerac parce que c'est la pièce de théâtre qui m'a fait découvrir le théâtre puis après l'éloquence, donc c'est un peu de là que tout a commencé. Je pense que l'orateur qui m'inspire le plus c'est Robert Badinter parce qu'il a plaidé pour des causes justes. Et en plus, il l'a fait avec talent, avec brio, notamment sur la question de l'abolition de la peine de mort. Donc quand même, je l'admire d'ailleurs au-delà de ses qualités d'orateur, mais aussi en tant qu'homme politique. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas évident, qui peut nous permettre d'avoir une forme d'émotion dans notre discours. Demain, c'est la fête des mères, donc parler de mes parents, je trouve que c'est une vraie chance. Justement, c'est plutôt à nous de les impressionner. Ça sera à mon tour tout à l'heure. Il y aura 6 minutes pour ça, mais en plus de ça, j'ajouterai que j'ai quelques rimes, quelques blagues pour vous. Quelques émotions aussi, j'espère. Et je pense que je vais peut-être faire pleurer ma maman. Donc je pense que c'est une bonne raison de voter pour moi. Je pense que c'est un beau concours qui met en valeur la parole, qui est si importante aujourd'hui, dans le monde du travail, dans la vie de tous les jours. Et donc je pense que c'est une chance de pouvoir participer à cette finale. Je suis parti en Ouzbékistan il y a 4 ans. Et on est parti dans un groupe de 20. Et on n'avait rien réservé. On avait pris juste un billet d'avion et une nuit d'hôtel. Et on est resté 3 semaines. Et je vais y retourner cet été. Et ce sera l'occasion de redécouvrir cette belle culture. Et encore une fois de partir à l'aventure. Je suis très inspirée dans tout mon travail par l'inénarrable maître Bonan, que je crois on ne présente plus, surtout ici. Je trouve qu'il est d'une culture rare de nos jours, une voix porteuse de sens, et je trouve que sa vision, en tout cas de la parole, est très inspirante pour tout le monde. J'ai rigolé, j'ai beaucoup ri, parce que Flaubert nous fait une belle farce en liant Dieu et les doigts, n'est-ce pas, comme il le fait dans beaucoup de ses romans finalement, mais je l'ai beaucoup aimé et je trouve qu'il me va très bien. Que tu votes pour moi ou pas, je suis là pour toi ce soir, cher public, et ça n'enlève rien à ton charme, bien au contraire. Je trouve que c'est une très belle initiative culturelle, surtout en ce moment où on a besoin de libérer la parole, on a besoin de réapprendre, de redire que c'est important de lire, d'écrire, que la culture est importante. Je trouve que c'est une très belle chose et un très beau projet que vous avez là. Je marche beaucoup, je suis un enfant de la montagne et chaque année j'allais en Italie avec mes grands-parents. Et un jour, nous allions dans un refuge assez haut et par-delà un bosquet, nous avons croisé un troupeau de chamois, il devait y en avoir une cinquantaine, et c'est encore à ce jour mon plus beau souvenir de randonnée. L'écriture, parce que je pense que l'écriture c'est l'éloquence au ralenti, et ça permet beaucoup plus de choses qui sont certes différentes, mais d'autant plus belles. Je dirais que Édouard Baird m'inspire beaucoup, j'aime beaucoup le personnage, son phrasé, sa manière de développer ses idées, etc. Et puis de passer d'une idée à une autre justement, donc sa manière de s'exprimer. Peut-être Fabrice Luchini aussi dans l'investissement de l'incarnation de son propos. J'ai trouvé le sujet très intéressant et surtout très riche de possibilités. Il offrait plein de portes ouvertes pour aller s'amuser avec des sens multiples des mots, donc c'est ce que j'aime beaucoup. Alors ouais, plein de possibilités. Pas vraiment, c'est bien sûr un jury prestigieux, mais ce qui m'intéresse surtout c'est de partager ce discours avec le public et évidemment le jury qui sera là, moins l'enjeu des personnalités, donc pas vraiment impressionné par le jury. Que dirais-tu pour convaincre le public de voter pour toi? Tout simplement d'écouter mon discours, et puis s'ils l'apprécient, tant mieux qu'ils écoutent leur cœur.
Alors j'ai découvert le concours assez récemment et je trouve toujours ça génial en fait, des concours qui proposent aux jeunes de prendre la parole, qui leur permettent de s'exprimer, de donner leur avis sur des sujets à travers ces discours et puis tout simplement de vivre cette expérience-là. Donc je trouve que c'est vraiment un beau projet qui se mène. Tout simplement parce que ce sont deux univers que j'ai toujours beaucoup aimé, j'ai toujours été passionné par les deux, et quand ce premier choix, cette première piste s'est fermée, je me suis naturellement tourné vers la piste littéraire parce que l'écriture, les mots, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup depuis toujours, donc j'y trouve toujours autant de plaisir. Moi j'aime beaucoup François Sureau, qui est un avocat au Conseil d'État, qui est devenu académicien récemment. Il fait des plaidoiries un peu contre les lois antiterroristes. C'est un avocat des droits de l'homme que j'apprécie vraiment particulièrement. Mon sujet, j'ai trouvé qu'il était assez incroyable parce qu'en fait il est un peu indéfendable. Parler d'amour, c'est faire l'amour. Logiquement, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler et faire en même temps. Et ce qui est assez excitant dans l'histoire, c'est que je vais finir par essayer de le démontrer. Absolument pas. Je pense qu'il est assez hétéroclite, c'est ça qui est intéressant. On a du journalisme, on a deux avocats, on a un humoriste. Mais ouais, le jury impressionne un peu, mais je pense que le public impressionne même encore plus que le jury. Est-ce que mon discours vous a fait frissonner et qu'est-ce que vous allez faire en rentrant chez vous après avoir écouté mon discours? Il est magnifique, il est exceptionnel, c'est-à-dire que c'est du jamais vu en France. Là, d'habitude, c'est dans des amphis d'écoles de commerce, dans des amphis d'université. On est 30 à s'écouter parler entre nous. Là, c'est magnifique, c'est ouvert, c'est populaire. Il y a des gens de gauche, des gens de droite. Des gens de tous les horizons, c'est le meilleur concours d'éloquence de France. Ah, excellente question. Alors, la situation la plus folle, mon éloquence m'a plutôt desservi que servi dans ma vie. J'ai essayé par exemple de convaincre mon propriétaire de me réparer ma fuite d'eau et ça fait 8 mois que ça traîne. J'ai pas nécessairement l'art de convaincre les gens par mon éloquence, j'ai l'impression. Plus de les faire sourire, rire, avec un sourire un peu à demi parodique. Il y en a tellement, chacun sont excellents dans leur style. S'il n'en faut qu'un, je dirais Marc Bonan. Délicat, on peut vite glisser dans le graveleux. Mais je vais faire de mon mieux. Il fait très bonne impression. Et la difficulté, c'est de pouvoir plaire, convaincre et émouvoir tout le monde qui vient d'horizons différents. Si je fais une bonne prestation, sinon non. Il est génial puisqu'il brasse l'ensemble des étudiants de la nation. Et donc on peut se retrouver avec différents étudiants de différentes universités ou d'écoles. Et ça, c'est bien. À rien. Je me balade pour ne pas penser et je contemple
la merveille qu'est la nature. C'est Marc Bonan. Mesdames et messieurs, le moment tant attendu est en train de se rapprocher. Et il est temps de se rasseoir pour écouter le verdict de notre jury, ainsi que celui de notre jury populaire. La décision a été difficile, mais le jury a tranché et le vote a eu lieu. Au terme de cette belle soirée, au cours de laquelle nous avons quand même entendu des taureaux parler d'amour sans se laver les mains, car ils sont libres, seront-ils bons parents ? Dieu seul le sait, car en matière de parenté, on ne sait pas bien ce qu'un taureau vaut. Dieu qui d'ailleurs, on le sait maintenant, est de droite et fourre ses doigts dans toutes les vaches sacrées sous l'œil un peu moqueur des marchands de bœufs. On va donc rappeler le jury qui va revenir prendre place et qui va, on peut les applaudir, Géraldine Mühlmann, Bertrand Perrier, Carbon de 16, André Berkoff et Sébastien Toen. On va également accueillir parmi nous tous ces membres, tous ces candidats qui nous ont fait rire, qui nous ont fait marrer, qui nous ont fait nous divertir, nous émouvoir, nous fait passer un vrai moment d'éloquence. Estelle Griette, Salomé, Maquet, Hugues Akir, Alexis Heuls, Mehdi Soum, Noé Boypa et Anthony Graziano Peronel, sans oublier Pierre Faury. Le jury va rendre son verdict souverain. Chaque membre du jury va dire un petit peu ce qu'il a pensé des prestations des candidats, nous faire ce qu'on appelle dans le jargon une contre-critique, tout en faisant absolument durer le suspense au maximum, avant d'annoncer le nom du coup de cœur du jury, pour ensuite retourner au cocktail, dire à chacun des candidats un par un, « T'inquiète pas, moi pour moi, c'était vraiment toi le deuxième. C'est pas passé loin, moi j'ai voté pour toi, mais ce salaud de... » Mais alors, cette ordure de... Sébastien Thoen en premier... Quand je suis arrivé tout à l'heure à Aix-en-Provence, cette ville qui souffre économiquement, cette ville, la ville des règlements de compte, la ville de tout ça, j'étais désemparé. Et puis surtout, je pensais à cette jeunesse de France qui, pour moi, était composée principalement de fainéants, d'assistés, de branleurs, de gilets jaunes, de djihadistes en puissance. Eh bien, vous m'avez fait mentir ce soir. Je suis arrivé insolent, je repars éloquent, je l'espère. Je vous dis merci, quoi qu'il arrive. Vive la République et vive la France! Ah si, je vous jure. Allez-y. Bon, mais là, c'est le job impossible que vous me faites faire. Et moi, donc,
Moi, je trouve que... D'abord, je voudrais remercier et féliciter les numéros 2 chaque fois, parce qu'il y en a plein qui ont allumé leur concurrents sur leur propre sujet. Et je trouve qu'à chaque fois, les concurrents sont arrivés. Bon, évidemment, le sommet, ça a été Mehdi qui s'est présenté comme un taureau, ce qui est toujours un tout petit peu impressionnant. Et qui va le prouver à l'hôtel tout à l'heure. Là, je trouve que c'est vraiment le sommet du... Le sommet, voilà. Il y en a un qui va baiser. J'ai trouvé nos jeunes. Il y en a un qui, on peut le dire, on peut se lâcher, on est bourré maintenant. Il y en a un qui va baiser ce soir. Et donc, c'est lui qui a gagné, déjà, c'est sûr. Voilà. Et ce sera peut-être André. Et là, il va vraiment gagner. Parce que vous avez vu ce que donne le journal du Hard. Hein. Voilà. Bon, écoutez, à part ça, vous étiez tous. Enfin bon, on a un avis, mais cela dit, bravo. Puis de toute façon, il m'a tout. Puis je suis pas prêt. Ouais, je donne le micro. Bien, merci. Merci à tous. D'abord, d'avoir tourné le dos à cette défiguration infecte du pavillon Vendôme. Ensuite, d'avoir Attends, prouvé il est dans que... le public, l'artiste. Hein. Il est là. Bravo, hein. J'en ai vu des braquages, mais alors celui-là... Ah, mais nous, on se fait chier à trouver des boulots. Ouais. Plus ou moins, bon. Et lui, il arrive, bam, il est deux balais à chiottes, et hop ouais. 300 000 euros, merci le conseil régional. Ah. Non, mais respect, mais c'est ça aussi, l'éloquence. C'est aussi ça, comment il l'a vendu. Et c'est la raison pour laquelle le jury décerne le prix de l'éloquence à cet artiste, parce voilà. Qu'il lui en a fallu pour vendre une telle merde. Aux frais du contribuable local. Deuxième raison de vous féliciter, vous êtes des vrais orateurs. Aucun d'entre vous n'a traité le sujet qui lui avait été proposé. C'est Merci, j'ai passé un excellent moment et je vous souhaite à tous le meilleur. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, je ne savais pas du tout ce qu'on allait entendre, concours d'éloquence. Et franchement, on l'entend du matin au soir, du soir au matin, c'est fini. Les jeunes, ils n'ont plus rien à dire, ils ne savent pas manier le français, etc. On entend tout ça. On entend les cours analphabétisme, etc. Et bien, vous avez prouvé que vous saviez ce que c'était, que redonner du sens aux mots et des mots au sens. Vous avez eu le sens des mots et vous n'avez pas en mauvais terme avec les mots. Eh bien, bravo pour ça. Oui, merci infiniment, les amis. Quelle soirée extraordinaire sous le vent aixois qui s'est petit à petit levé pour saluer vos exploits oratoires aux uns et aux autres. C'était absolument extraordinaire. On a commencé avec Salomé. Salomé, elle a une voix incroyable, c'est-à-dire que tout le premier rang est déjà à poil. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle dit « Oui, le doigt de Dieu !» Et là, t'as la mère qui en peut plus, elle est déjà complètement comme une dingue. Il a pris 3 Viagra, ne l'excusez. Bah, je prends voilà. Ce qui m'aide à tenir, qu'est-ce que tu veux mon petit vieux? Il t'en reste encore un peu, tu vas tenir la nuit. Après, évidemment, il en peut plus, les glands et tout ça, il en peut plus. Ah bah, les glands et les mocassins, ça va toujours ensemble, plus. Évidemment. Il y a, voilà, je prends pied moi aussi. Après, il y a Noé qui essaye de draguer Géraldine Mühlmann dans des proportions qui sont tout à fait inédites avant de parler de la Vierge Marie, ce qui n'a évidemment rien à voir l'un avec l'autre dans un rapprochement d'hymen qui n'a pas lieu d'être audacieux. Et qui, à l'heure qu'il est, où les enfants sont encore pas couchés, laisse rêveur. Après, il y a Hugues qui a bien fait de faire une hypocagne plutôt que de faire des études de médecine parce qu'il est avec une nana qui laisse sa bouche tomber. Donc tu vois, c'est, en termes d'anatomie, c'est quand même assez étonnant. Et peut-être la mâchoire, mais la bouche, elle a ramassé sa bouche, Léonce. La copine de Hugues, ce qui était tout à fait étonnant. Après, Pierre Foury fait une blague sur mes cheveux. Alors bon, évidemment, moi j'accepte, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un signe de virilité. Bon, bah voilà, la testostérone se place où elle peut. Noé, lui, c'est Géraldine Mühlmann. Toi, c'est mes cheveux. Chacun a la fin de soirée qu'il souhaite. Et ça ne regarde finalement que nous, toujours dans le consentement des uns et des autres. Bon, Estelle est déjà complètement sous coke puisque sa première préoccupation quand elle arrive dans la ville, c'est de savoir où on vend de la drogue. Hein. Mais en éloquence aussi, comme ailleurs, on fait ce qu'on veut. Et oui, moi aussi, j'aime les calembours de merde.
Eh oui, bien sûr, mais je ne suis pas sur Sud Radio, hein, c'est une sorte d'entretien d'embauche que je passe aujourd'hui avec André Berkoff. C'est une sorte de rencontre de l'offre et de la demande. Alors, Alexis Hulse, lui, en termes de drogue, donc, il drague des nanas qui chassent les flocons de neige avec leur langue. C'est quand même très étonnant. Enfin, je ne sais pas, ça doit être une spécialité locale. Dans les écoles de commerce, les filles chassent les flocons de neige avec leur langue. Enfin, c'est dégueulasse, mais en même temps, si c'est consenti, il n'y a pas de problème. Mehdi, bah, effectivement, on était dans l'arène. C'était formidable avec le Toril, les Matadors. Vous avez été merveilleux, les amis. Il nous a fallu faire un choix. Et en effet, on dira à tout le monde dans 3 minutes à quel point ils avaient tous été formidables. Je voudrais tout de même, parce que vous avez été très bons, mais je voudrais quand même pas finir sans qu'on applaudisse l'extraordinaire machine à jeu de mots qui est Bill François. Quand même, incroyable. Oui, absolument. À ce rythme-là, dans 5 ans, tu présentes Interville. C'est sûr. Non, c'est... Ah non, mais c'est sûr. Moi, je te vois, mais propulsé, là, vraiment. Ça restera dans le thème. Ça va cartonner, vraiment. Continue, bah oui, là, vraiment. Évidemment. Je te souhaite le meilleur, vraiment. Là, on va de mal en pis. Voilà. Mais c'est que la traite est bonne. Et donc, au bénéfice de... Vous voyez que le jury a quand même sur lui un échantillon de ce qu'il vend. Hein. Enfin, je veux dire, on vous a promis un jury éloquent. Là, on est un peu au top niveau du top niveau. Hein, quand Mehdi Soum dit qu'il a des rendez-vous Tinder, hein, là, on est quand même dans une collectivité assez fructueuse. Et donc, au bénéfice de ces observations collectives, le jury va collectivement, lui aussi, se lever pour proclamer le résultat que nous avons délibéré ensemble. Et qui fait que le prix du jury a été... Non, pas lui. Mais si, allez. Le prix du jury de ces journées de l'éloquence aixoise, toujours merveilleusement organisées par les amis de l'Atelier de la langue française. Quelle merveille. C'est un boulot monstre hein, de recueillir ces talents, de les sélectionner dans toute la France, de les élever, de les nourrir, c'est formidable. Tu veux défrayer, oui. Allez, le vainqueur de ce concours national d'éloquence, c'est Alexis Hulse. Oui, on peut dire qu'Alexis aura eu un effet bœuf. Voilà. En tout cas, que ce soir, il nous émeut. Bravo. Il est temps maintenant de dévoiler qui le public. Pas. C'est un Gilles de la Tourette inversé, c'est quoi ? C'est la rue qui hérite. Tu fais des jeux de mots comme ça, de tout le temps, tout le temps. Tu sais qu'il en est mort, l'autre, hein ? Il est mort, Ruquier ? Je bosse avec lui, il est mort. Je le vois tous les jours, hein, je le sais. Donc il est temps de dévoiler qui le public a choisi comme élu de son cœur ce soir. Et le vote populaire, en présentiel comme en distanciel, à travers la France, à travers le monde, a désigné comme vainqueur du prix du public de ce concours d'éloquence 2022... Alexis Hulse. Remercie toute ta famille qui est là dans les 5 premiers rangs. Hein. Oui, c'est le même. Hein. N'hésite pas. Hein. Toute la famille Hulse qu'on embrasse, qui fait les... Voilà. Il est malin, l'autre. Tu parles, c'est HEC, c'est quoi, c'est quelle école déjà ? HEC. Ouais, bah, il sait ce qu'il fait. Bah, les decks, mais encore mieux. Tiens. Allez, voilà, vas-y. Je pense qu'on peut à nouveau applaudir tous les candidats qui nous ont fait passer un merveilleux moment ce soir. Bravo. Bravo.
un concours d'éloquence qui restera dans les mémoires, car on peut le dire, c'était vachement bien. Il est temps de remercier nos partenaires sans qui ce bel événement ne serait pas possible. La fondation Voltaire. C'est pas le réseau qui promeut la langue française à défaut de promouvoir la langue de bœuf. Les calissons Léonard Parly. Hein. Ah. Bravo, oui, bravo. Très bien. Première fabrique de calissons depuis plus de 100 ans. Ouais. Ceux sans gluten sont incroyables. Donc, incroyable. À cause desquels toute mention historiographique envers le personnage du roi René a été bannie de ce concours. Rose et Marius, donc une entreprise qui fait des parfums, des bougies et des objets parfumés, qui se situe aux 3 rues Thiers à Aix-en-Provence et qui a été primée par l'Élysée. Donc en plus, c'est des parfums appréciés par le président de la République. Les champagnes Brie-Montcourt et les coteaux d'Aix-en-Provence, donc du vin et du champagne aussi, et du Perrier, bien sûr. Applaudissements à nos jurys. Et aussi les mots croisés, le Scrabble, n'hésite pas. Et je pense qu'on peut féliciter à nouveau l'Atelier de la langue française pour l'organisation de ce beau concours. En vous donnant rendez-vous en 2023 pour la 9e édition qui, je l'espère, verra des candidats aussi brillants et nous emportera à nouveau dans des belles sphères de l'éloquence. Bonne soirée. Bravo. Bravo. Faut prendre une photo, non? Il y a... Ah oui. Hein? Oui, le...